Ultime Décathlon saison 2, la grande finale, on retrouve Twin et Rilmiop, ça va? Ça va, toujours ravi. Alors petit point Twin au niveau du score, donc on a donc fait 6 épreuves, il reste 4 épreuves. À l'issue des 6 premières épreuves, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des scores qui ont été faits? Alors pour l'instant sur donc DuckTales Portal, Super Monkey Ball, Dead Core, Towerfall et Metroid Zero Mission, Devultifa, premier avec une avance confortable, se dirige vers une qualification assurée, quasiment rappelant qu'il faut être dans les 4 premiers sur le total des 16 joueurs. Pour l'instant, on n'en fait jouer que 8. Ensuite, on a Brother Main, Naotoseb et Cute Shadow qui forment un peloton de chasse hein, et qui sont pas mal. Il va falloir confirmer ses progrès, pas faire de contre-performance pour pouvoir potentiellement avoir une qualification à l'ultime finale. Et ensuite, on a un Cladol, Vinkaiser, LF et Ziggy, deuxième moitié de tableau, un peu moins, avec des performances un peu moindres. Ça reste des grosses performances de speedrun et qui sont plutôt là en train de viser un top 10. Et donc ça, c'est plutôt bien parti pour Vinkaiser, LF et Cladol, et Ziggy a fait quelques contre-performances, mais il reste 4 jeux qui vont être très décisifs. Ouais, c'est vrai que ça va être très très dur. Les plus décisifs, peut-être. C'est pas pour dire qu'ils sont à la fin. Ouais, non, c'est vrai, oui. Non, mais C'est soyons vrai, honnêtes. soyons honnêtes, c'est pour ça Soyons qu'ils sont honnêtes. là. Alors, pour différentes raisons, parce que globalement, Ninja Gaiden 2, c'est parce que c'est punitif, Gremlins 2, c'est parce que c'est punitif, Spelunky, c'est parce que c'est punitif, Et Doom 2, c'est un peu punitif aussi, et quand Doom 2, même. c'est parce que c'est difficile. C'est difficile tout le temps, ouais. Même si là, globalement, beaucoup de joueurs ont un bon niveau, Doom 2, c'est, on va dire, peut-être le, entre guillemets, le moins punitif des 4. Mais paradoxalement, comme les gens l'ont beaucoup travaillé, il y aura quand même Il y a du niveau, potentiellement hein. de gros écarts de points, parce qu'il y en a certains qui vont peut-être faire genre 186, entre 186 et 200, et certains qui vont faire 210, 215, peut-être 220, enfin on peut tendre vers le 220, ce qui peut faire quand même 15 points, 15 points 220, d'écart. c'est quoi? C'est moins de 35? Moins de 30, ça peut prendre moins de 30, j'ai plus en C'est Oh là là. 31-30, il me semble, 220, quelque D'accord, oh chose là comme là. ça. Donc, Moi j'aurais dit même moins, mais t'as peut-être raison. Parce qu'il me semblait que Millet avait dû faire le sub 30. Mais ça se trouve, ouais, c'est peut-être généreux, c'est peut-être 31. Non, non, c'est généreux. Hein. Bah, je peux essayer de vous C'est redonner ça, généreux, mais. quoi. Bah, ça, là, Bah c'est oui, par hyper rapport au généreux. record du monde. Sont à 220 points. De C'est vrai qu'en vrai, ils sont 31-44, c'est tous à déjà 220. En 160 fait, points, c'est quoi. 32 minutes, le Oh, oh 220. Donc, là Donc en vrai, ils sont à là. 160 points par rapport au record du monde. Même le meilleur. certains. Vu que Moi. c'est 19,59. Non, c'est en Enfin, c'est record 20, real-time, c'est 22, ça c'est ferait 22, ouais. 44. 33, ça ferait 150 points. Donc non, ils n'auraient même pas Mais ils 150. n'auraient Je même suis pas désolé. 150 points par rapport au record Et du oui. monde. Donc non, mais c'est bien. Là, je pense que c'est cool. C'est un jeu du cœur pour pas mal de gens. C'est un jeu qui est, par contre, dans le cadre du Décathlon, qui est assez difficile parce qu'il a la particularité. Alors, c'est pas forcément, vu que tous les tricks sont pas rentrés, c'est pas forcément le plus technique. Ça se fait assez bien. Mais je trouve, alors tu pourrais d'ailleurs nous parler de ton expérience là-dessus, Twin, c'est quand on enchaîne les 10 jeux, Doom, c'est un jeu où il n'y a pas de pause. Donc c'est 40 minutes, moi je sais que ça, c'est assez épuisant, je trouve, moi. Ah ouais, moi, les 10 jeux à la suite, Doom, c'est le plus reposant. Parce qu'en fait, déjà, Ah on ouais? sait qu'on va jouer 40 minutes, quoi qu'il se passe. Donc, il n'y a pas de stress par rapport à la durée que ça va prendre et à la fatigue que ça va faire. Et Doom, c'est un. Même si le rythme est intense, moi, j'ai trouvé ça assez. Enfin, moi, je vais pas jusqu'à la fin. Je fais niveau 25-26 en général. Et moi, c'est un moment que je redoute pas particulièrement. Les speedruns longs, je trouve ça plus reposant parce que le temps de se mettre dedans, on peut y aller tranquillement. Il n'y a pas de D'accord. grosse pression au début. Mais c'est vrai que là, pour les runners, ils se foutent une pression supplémentaire parce qu'ils savent qu'il faut absolument faire moins de 40 minutes. Et ça, bah, ça veut dire que mourir au niveau 2, ce qui peut arriver super souvent, ça va foutre une pression d'enfer, quoi. C'est clair. Ouais, faux parfait, on n'a pas le choix dans ce cadre-là. Donc toi, tu serais plus sous la pression d'un Towerfall Ascension ou d'un truc comme ça? Ouais, les trucs comme ça, je trouve ça horrible. Les jeux de NES, je les trouve super durs parce que la maniabilité est un peu spécifique à chaque fois. DuckTales, je trouve ça terrible. Dead Core aussi, c'est assez difficile, mais pour d'autres raisons. Mais voilà, Doom Metroid, je trouve que c'est un milieu assez sympa. Alors, je crois qu'on n'a pas encore vu la vidéo, me semble-t-il, de Non, on Doom n'a pas 2. vu, non. Eh bien, on va se la regarder. Et puis après, je pense que nos runners seront Ils dans. doivent être chauds Ils là. sont dans les Ils sont starting blocks. impatients. Ouais, Ils ont l'air bien. Allez, petite vidéo et ensuite la race commence. Thank you.
Donc de retour, donc Doom 2, ça va bientôt commencer. Alors quelques mots quand même, est-ce que tu peux nous rappeler quelques éléments sur le jeu? Puis après moi je vais redonner les bases, on va dire, sur les techniques de speedrun de ce jeu, parce qu'il y en a quand même un paquet, comme ça va vite. Ouais. On va faire un travail d'introduction. Bah, d'introduction, donc Doom, hein, parmi les tout premiers FPS, hein, est un peu emblématique, avec beaucoup de monstres complètement stupides et assez variés, des niveaux très labyrinthiques, des clés à récupérer de différentes couleurs qui vont nous permettre d'ouvrir des portes et de se diriger. C'est toujours un peu construit pareil. En gros, vous avez un niveau, vous récupérez des clés, vous allez vers la fin. Tout ça avec pas mal de monstres qui parsèment ces niveaux, et il faut aussi récupérer pas mal d'armes qui vont être essentielles pour pouvoir se frayer un chemin. À savoir qu'en speedrun, c'est un petit peu différent aussi d'une expérience normale de jeu, vu qu'on va pas tuer tout le monde, ce serait beaucoup trop long. On va plutôt essayer simplement d'enchaîner le plus rapidement possible les passages. Et puis c'est vrai qu'en speedrun ça change encore, parce que ben avec les petits glitches et les petits abus de physique que va y avoir, on a des nouvelles routes et beaucoup de backup à mémoriser aussi. On a vu, hein, au début en tout cas du décathlon, ce qui coûtait beaucoup de temps, c'était pas forcément l'apprentissage du speedrun, ça a été l'apprentissage des backups du speedrun. Parce que ça a été très très compliqué, hein, de s'en sortir quand on ratait. On voit déjà, hein, où les gens s'entraînent, hein, il n'y a pas de problème. On voit élèves s'entraîner sur le rocket jump, ouais. Voilà, qui sera hyper hyper important. Rappelons que les gens vont runner donc en Earthly Plenty, qui est le niveau de difficulté normal, un cran en dessous d'ultra violence. Il y a 30 niveaux, ça va aller très vite. On va commencer par le strafe running. Déjà, on court vite dans Doom, hein. On court vraiment et vite. Tout le monde a mis son petit compteur à niveau, ça c'est nous fait pros. Plaisir. C'est voilà, on sent que c'est des professionnels. Alors, on arrive au niveau 2, qui est le premier niveau un petit peu difficile. Ça arrive déjà. Donc, je vais expliquer deux choses. Pourquoi les premiers niveaux sont très difficiles? C'est parce qu'il y a tout un tas d'ennemis dans Doom, notamment les humains, qui sont censés être les ennemis les plus simples, et ils le sont. Mais en speedrun, c'est quasiment les ennemis les plus durs, parce qu'ils ont un DPS très fort, avec des tirs qu'on ne peut pas éviter. Comme ils sont considérés comme des ennemis faibles, on en met des paquets. Et donc, on et peut ils tirent très vite. Le ah gros oui, problème, c'est la vitesse à laquelle ils tirent, et leurs balles sont instantanées. C'est-à-dire qu'au moment où ils tirent, si vous êtes dans leur cible, vous êtes touché forcément. Alors que si c'est un ennemi qui lance des bouboules, bah, il tire, la bouboule elle arrive vers vous, vous avez largement le temps de faire un strafe pour éviter les balles. C'est le seul élément d'ailleurs un tout petit peu RNG, c'est qu'ils ont des pourcentages de chances de toucher en fait. Ça voilà, c'est ça. Ça fera des tranches de dégâts notamment. Ouais, exactement. Donc quoi qu'il en soit, ennemi capricieux, et la première technique qu'on va faire tout au long, c'est le strafe running. Donc quand on court, on va vite, mais quand on fait des strafes en plus du fait de courir, on va encore plus vite. Globalement, l'appel pour le strafe de base, on l'appelle le strafe 40. C'est comme une sorte d'addition de vecteurs, on additionne la vitesse du strafe à la vitesse de course. Et Clado l'a oublié de splitter, hein, il est au niveau 2. Hein. Il est où? Il est en bas à droite. Ah oui, c'est ça. Il a juste oublié. C'est bien. Mais le premier niveau dure 8 secondes, c'est pour ça. Bah et voilà. Ah, par contre. Ah, il est mort. Ah, il est mort. Il est mort, Cladal. Ah ouais, mais il a peut-être pas joué depuis longtemps. Alors que Devil Tifap, ça y est, prend la tête. Il passe le niveau 3. Brother Main en fin de niveau 2. Ça devrait bien se passer. Faut pas mourir. On a du mal à avoir ses points de vie. Il est à 33. Mais il a beaucoup d'armure. Donc ça devrait pas poser de problème. Ah, dans ce jeu, plus on a d'armure, moins on prend de dégâts, évidemment. Donc les premiers niveaux sont assez simples. Personne ne tente au niveau 3 le skip de la Blue Key. On passe tranquillement. On prend la clé. Et passage au niveau 3 pour Zigouigoui. Là, un niveau 3 qui est pas trop difficile, il y a une toute petite difficulté à la fin, ça va consister justement à appeler l'ascenseur, puis prendre la clé rouge, et le tout fait en un cycle. Voilà, et c'est réussi pour Tifa. Ça se fait qui bien. Va pouvoir s'en sortir tranquillement et passer au niveau 4. Niveau 2 fastidieux un petit peu là pour Bro, qui vient de terminer, qui est 3ème. Ouais, comme Clado avec sa mort, ça a été très cher. On arrive donc au niveau 4 côté type. Alors on va voir si Zigouigoui passe la clé rouge du premier coup. On récupère en un cycle. On récupère. Oui, c'est réussi aussi. On récupère le lance-roquette au niveau 3. C'est vraiment important en speedrun. C'est pour ça qu'on fait un petit écart. D'autant qu'on a de l'armure et de la vie. C'est vraiment cool. C'est raté le triple strafe jump pour Devil Tifa. Oh, ça a eu. Oh là là. C'est le genre d'ennemis, hein, qui sont extrêmement forts en DPS, hein, quand ils vous enchaînent et qu'ils ont commencé à tirer, ça peut faire beaucoup beaucoup de dégâts. Bro qui a aussi réussi, hein, ce niveau 3 sans aucun problème pour l'instant. Pour l'instant on est à la cool, on va dire, encore sur ce niveau. Depuis que le 2 est passé, on va pouvoir se détendre un petit peu. Est-ce que Bro va réussir ses... Oh, Tifa, la strat de Tifa, mais ce coup-ci, bah, c'est le passé. Cochon est venu l'agresser. C'est une solution. Le 5, il y a une fast strat et on tente la fast strat côté Tifa. On prend pas la backup avec l'armure parce qu'on se fait beaucoup DPS au départ, donc faut faire gaffe. Le double shotgun, hein, ça dépend des runners, mais là tout le monde est plutôt au double shotgun. Ils ont tous. Non, celui-là on le récupère, hein, c'est normal. Par contre, il y en a qui le récupèrent un peu plus tôt. On fait le triple strafe jump côté Bro. C'est raté. Il suffit que je le dise. Voilà. C'est raté.
Alors, donc c'est pas grave, hein. La backup coûte un petit peu de temps, mais ça ne coûte rien d'essayer de faire cette petite strat. Et ça fait gagner une dizaine de secondes. Alors, fin de niveau 5 qui est assez difficile quand on parle avec les jaunes, faut quand même faire attention. Ouais, les cacodémons, faut éviter les tirs, ensuite y aller. Et voilà, c'est bon. Il avait quand même pas mal de points de vie, mais on aime, vu qu'on conserve ses points de vie hein, d'un niveau à l'autre. Bon là, c'est pas très grave dans ce cas-là parce qu'effectivement, il y a une sphère blanche hein, que réussi, vous avez pu voir. C'est réussi, Tifa qui est loin de le réussir souvent cette. Il a fait en un cycle. Jump. Il a fait le strafe jump. Ah oui. Et l'ascenseur en un cycle. Alors strafe jump, le principe, c'est que dans Doom, il n'y a pas de saut. Vous doutez, le personnage saute entre guillemets de manière automatique, c'est-à-dire qu'il enjambe quand il y a un trou. Là, on voit la tête bouge un peu, monte, elle descend, mais c'est vraiment, on peut pas appeler ça un saut précisément. Mais le level design le prévoit des fois qu'il faille un petit peu. Ces espèces de sauts entre guillemets, et quand on fait des strafe jumps, ça veut dire que comme on fait du strafe running, on va plus vite que ce qui était initialement prévu, et du coup on va pouvoir enjamber des portions de terrain, des trous beaucoup plus grands que ce qui était initialement prévu. Alors est-ce que Bro va réussir? Non, c'est raté là. Ah ouais. Ça se voit direct, il prend l'ascenseur, on n'est pas censé descendre. Ouais, voilà, on n'est pas censé descendre l'ascenseur. Mais bon, deux tours. Ah, j'ai pas fait attention, Zigouigou, mais Zigouigou qui est quasiment c'est un de ses points forts, Dôme. Oui, bah là, ça se passe très bien, hein. Il est deuxième. Hein. On arrive à cette salle de fin, il y a justement, regardez ça, un petit strap jump là, bam, et c'est raté. Ah, c'est raté pour David. C'est pas le plus grave. Oh, la backup ratée, par contre, ça c'est dommage. Mais il va faire la backup, il va faire la backup, voilà, parce que, bon, il a les PV, hein, c'est pas l'ennui, mais c'est vrai que c'est dommage. Ça peut lui coûter pas mal de temps, hein, parce que là, il pourrait déjà avoir fini le niveau, hein, donc là, les secondes s'égrènent pour, voilà, il va terminer maintenant. Mais voilà, 15 secondes hein, qui s'effacent. Je sais que ça peut relancer Zigouigoui. Hein. Bro compte aussi sur ce jeu pour regagner des points, c'est un de ses points. Ah, Bro, il est fort hein, sur Doom. Bon, je pense que Devil Tifa va quand même gagner celle-ci parce qu'il est vraiment très stable et très fort sur Doom 2. Ouais, mais il y a des niveaux assez punitifs, le 7, donc c'est le niveau de Doom où il faut tuer tout le monde. Voilà, c'est la condition de victoire en fait, hein. C'est vraiment très simple. Alors il y a des techniques extrêmement violentes à coup de rocket jump que personne ne tente et ne tentera probablement jamais en race, je pense. Ouais. Et puis tuer tout le monde, en fin de compte, ça se fait. Après, il faut quand même être attentif à ses points de vie, mais voilà, il y a pas. Normalement, ça devrait bien se passer pour tous nos runners, ils sont expérimentés. Bah normalement en général c'est... J'ai pas vu si Bro avait réussi, mais je pense qu'il est bien parce qu'il est déjà arrivé au niveau 7. Ouais, il est très bien en fait. Pour ce niveau 7 c'est simple, on commence... Attention Tifa quand même, on commence au lance-roquette pour les Mancubus et ensuite on termine les araignées au plasma. Zigouigoui hein, qui est au niveau 6. Ah, alors que c'est compliqué pour Cladol. Ah, il est mort alors. Ouais, il est mort. Ouais. Je l'ai pas vu mourir, mais il a dû mourir. Non, je pense qu'il a dû mourir effectivement. Et Cladol rame un peu. Ceci dit, il a peut-être. En fait, comme il y a qu'un petit peu de lag, il est peut-être plus loin que ce qu'on voit. Ouais, voilà, c'est vrai aussi. Alors que Devil Tifa est donc avec l'invulnérabilité, hein, quand on voit en noir et blanc comme ça, hein, c'est qu'on est invulnérable, parce que sinon, de toute façon, ici, on ne passerait pas. Ça s'est pas super bien passé cette sortie de salle. Il aurait peut-être pu avoir un peu plus de chance et s'en sortir plus vite. C'est un niveau très simple, hein. Il faut récupérer deux petites clés et s'en sortir. On fait tout quasiment à l'invulnérabilité. Si on oublie d'activer cet interrupteur, on ne peut pas sortir. Et voilà, c'est la fin du niveau pour Tifa. Aucun problème. On n'oublie pas ce dernier petit cochon, la blague de Doom. C'est la fin et pas dur, mais si on tombe, on est vraiment vénère. Alors, Brotherman, est-ce qu'il va réussir à mieux s'en sortir? Il faut réussir à se frayer un chemin parmi tous ces ennemis qui nous tapent dessus au double shotgun. Voilà, on récupère une autre invulnérabilité. On traverse. Ça va être bien. Normalement, ici, il ne devrait pas y avoir de problème. The Pit pour Tifa, en tout cas, premier niveau qui peut être un petit peu. Quand on cherche à optimiser, qui peut être un peu difficile, mais ça va encore. Et aucun problème pour Bro non plus. Ah, pas de chance, par contre. Et Zigouigoui galère au niveau 6, hein. Il est toujours. C'est difficile d'être partout, alors que Cladol est au niveau 7, hein, et son compteur est toujours pété. Hein, Il a dû remourir Zigouigoui. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe, on est un peu attentif aussi, hein, on va dire, aux deux premiers, disons des Beautify Bro. Et Cladol est au niveau 7, hein, il a mal splitté. Ah, il a dû mourir deux fois à la fin, c'est terrible pour Zigouigoui. Ouais, ça lui coûte très cher. C'est un des jeux qu'il attendait, et là, il est peut-être un peu fatigué. Ouais, c'est vrai que c'est déjà le septième jeu, sixième jeu. Ouais, septième. Ouais, c'est... C'est très très violent. Ah, deux morts, c'est vraiment terrible. Ouais, deuxième mort pour Zigouigoui, effectivement. Et ouh là là, ça a été chaud une fois de plus. Et Bro qui rattrape Tifa, hein. Ça peut... Il reste encore beaucoup de tricks, hein. Cette race peut encore s'inverser.
Ouais, non, les pros, bientôt les niveaux vont arriver avec les premières vraiment grosses difficultés. Les rocket jump et des strats. Et puis surtout des gains de temps énormes quand c'est réussi et des pertes de temps assez conséquentes quand on doit refaire une strat. Un petit peu qu'on a pu voir dans Zero Mission, bah justement Bro hein, qui avait galéré. Si c'est le cas de David Tifa, ça peut coûter très cher, même si maintenant je pense que les rocket jumps sont beaucoup mieux maîtrisés qu'au début de Decathlon. Mais de l'avis de la plupart des runners, ils sont maîtrisés pour les PB, mais en race. Ouais, bah ça, c'est la pression de la race surtout. Attention, Tifa. Oh oui, attention les cochons. De pas rester bloqué. Ce niveau est assez facile, le 10, hein. C'est un niveau assez gratuit. Voilà, surtout, très rare de mourir, hein. Dès qu'on a l'invulnérabilité, de toute façon, elle est tellement longue, l'invulnérabilité de Doom, que quand on est en speedrun, bah, ça nous permet de traverser le niveau. Normalement, on est plutôt dans un univers labyrinthique. Ce cyber démon qui bloque, Tifa, laisse-le passer vers la fin. Ça a été un peu laborieux de le pousser sur le côté. Si Gugwick a validé le niveau 6. Et regardez, hein, bro, il est à 10 secondes, hein, même pas 10 secondes derrière. Hein. On arrive au niveau 11, ça. Of Death, on va avoir un gros strafe jump et la première question c'est est-ce qu'on va aller chercher 100 PV. Tifa va aller les chercher, je pense, parce qu'il s'est pris en plus deux coups de fusil en arrivant. Voilà, il a pas eu beaucoup de chance sur ses humains. Mais du coup Bro va pas le prendre. Non, je crois que Bro il est parti direct. Ouais, il a réussi à one shot. Ouh, attention le caco démon qu'il a touché. Ah bah, 46 PV. Ouais, je pense qu'il a pas le choix tout compte fait. Je pense qu'il s'est touché plutôt par le squelette. Ah, je crois que c'est une boule de caco démon, je crois, mais je suis pas sûr. C'était vu ça. Parce que les squelettes effectivement. Ouh, attention. Bah non, il va chercher les 100 PV. Oui. Ah bah oui, non, il a pas le choix maintenant, mais c'est vrai que les squelettes tirent des petites boules à tête chercheuse. Ah, et voilà, la boule à tête chercheuse, on l'a bien vu arriver. Ah, il le fait avec un setup, Bro. Okay, ouais, d'accord. Mais c'est passé, donc c'est le plus important. Ouais, mieux vaut le passer avec un setup. Effectivement. Que le rater sans setup. Ça, c'est clair, c'est clair. Donc, au niveau 11, on est au nid. Ah non, Clado! No! Clado! Mais ouais. Et il est tombé dans le trou. Il est obligé de se. Oui, mais la roquette roquette aurait été plus rapide. Effectivement, il aurait plus tiré des roquettes dessus. Au niveau 8, ah là là, ça c'est un peu le drame. Bon, il va s'en sortir. Ça paraît pas, hein, mais tous les niveaux sont difficiles. Et c'est la fin d'ailleurs pour Zigugui de ce niveau qui atteint le niveau 9. Ah, Clado l'a resplit, c'est bon. Il a. Ouais, il s'est mis à jour. Alors que Bro et David Tifa sont tous les deux au niveau 12. Ça va être un niveau, il y a un key grab à faire, on peut attraper un objet à travers un mur quand on a la bonne vitesse, mais personne ne le réussit, personne n'est conscient. Non, c'est un niveau un peu. C'est pas les vacances, mais voilà, c'est. Il ne devrait pas y avoir de grosses différences entre le début et la fin de ce niveau entre Bro et Tifa. Ce qui va séparer Bro et Tifa, en gros, on voit que c'est très serré, c'est la salle de fin avec 5 interrupteurs, il faut bien connaître l'ordre, ouais. S'adapter. Et c'est marrant, on envoie un au BFG et l'autoplasma. Du coup, Bro va terminer avant. Ouais, probablement. Ah, bon. Il est tombé. Il va falloir attendre que ça remonte. Ça va remonter tout seul. Voilà, c'est pas bien rapide. C'est pas de chance. Oh, c'est pas de chance. Il peut sortir plus vite. Je sais pas. Je sais pas si c'est nécessairement un strafe jump qui te permet de. Si, il faut bien arriver. Il faut faire un strafe de côté. Parce que c'est des petites diagonales. Il n'y a pas besoin d'avoir une vitesse de ouf. Il y a quand même que 5 secondes d'écart entre les deux. Hein. C'est super impressionnant. Hein. Ah, là, la première, entre guillemets, vraie difficulté, ça va être le 14, le rocket jump. Voilà. Pendant que Zigugui est au 9, il va 9 Clado, les Zigugui qui souffrent. Alors, sais que. Ouais, c'est difficile. Hein. Clado là, qui a perdu du temps. Et puis Zigugui qui est mort deux fois au niveau 6. Hein. Ça a été difficile. Hein. C'est des super joueurs de Doom. Mais, en ouais. Mais là, ils ont il y a un mauvais départ. Et voilà, pendant le décathlon, ça arrive. Hein. Peut-être que là, déconcentration, une petite mort qui arrive qui stresse et on n'arrive pas à se remettre dedans. Mais en voilà. Tout cas, Bro et Devil Tifa nous font une très belle run. Hein. Pour l'instant, aucun problème pour les deux. Bon, des petits fails, hein, mais qui sont complètement acceptables. C'est les fails, on va dire, habituels d'une run de Doom. Là, le petit moment entre guillemets auto-scroll, c'est une façon de parler, c'est une analogie, c'est que l'ascenseur il descend, il prend son temps, donc c'est un moment où on doit. Et en plus t'es immortel à ce moment-là, donc t'as pas vraiment de crainte à avoir. Pareil, hein, si vous ne connaissez pas Doom, on peut pas, donc vous voulez voir monter ou baisser son regard, par contre les tirs, on va dire, visent pour vous en hauteur. Ouais. Il y a une limite à ça, hein, bien évidemment, mais c'est quand même assez important de ne pas ignorer ça. Donc vous pouvez commencer à tirer assez tôt sur les ennemis, même s'ils ne sont pas complètement, on va dire, dans l'axe haut. Dans l'axe vertical. Il n'y a pas une vraie verticalité, mais c'est la même raison, c'est pour ça qu'on peut aussi abuser les interrupteurs. C'est parce que, justement, d'en bas, on va pouvoir, avec un bon angle, oui, c'est exactement la même. Oui, exactement, c'est la même raison, c'est parce que, en gros, vous tirez comme vous ouvrez une porte. Voilà, et donc là, Rocket Jump Time. C'est parti pour Bro et pour Devil Tifa. Donc d'abord, on nettoie, on récupère quelques points de vie, parce que, il faut le dire, les Rocket Jump dans ce jeu, ça coûte très 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 cher en points de vie. On peut pas se permettre de tenter beaucoup de fois d'affilée sans être obligé de... Ouais, Bro qui est en premier dessus. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a regagné du temps, parce qu'il a pas nettoyé entièrement le niveau. Non, tout compte fait que...
Et c'est réussi quand c'est réussi Tifa du premier coup. Oh là ça là. Va mettre la pression à Bro. Lui aussi doit le réussir du premier coup. Le setup, c'est parti. C'est raté pour Tifa. Non, mais c'est là le bon ratage. C'est-à-dire qu'il l'a raté sans prendre sans de dégâts. Prendre de dégâts, il effectivement. Va pouvoir faire un try entre guillemets gratuit. Ouais, faut pas qu'il se fasse trop toucher entre temps, parce qu'il a perdu pas mal de PV. Mais là, il a un try gratuit. Bon, c'est bon, il avait laissé 10 points de vie ici au cas où. Allez, on se remet le setup pour Bro. Try gratuit. Try gratuit. Il avait tiré trop tard. Ah, il a encore... tiré trop tard. Un autre try gratuit, c'est le stress. C'est le stress. Mais il vaut mieux ça, effectivement, que de se prendre un coup. Mais ça commence à coûter. Des âmes en peine qui arrivent hein, pendant ce temps-là. Ouais, Tifa ouais. qui arrive à la. Là, c'est bon, c'est passé pour Bro. C'est bon, c'est passé. Et voilà, un niveau d'écart entre les deux. Niveau 16 gratuit hein, pour Tifa. Niveau 15. D'ailleurs, qui n'a plus de compteur, Tifa, je ne sais pas pourquoi. Alors, oui, parce qu'en fait, il est pas. Ah, il le compte pas. 31. Ah, oui, c'est ça. Ils le mettent pas ici. C'est... On n'a pas de petite icône 31. Voilà. C'est, le niveau 16 n'existe pas vraiment. Voilà, le 16, on ira juste après le 31. Parce qu'il faut expliquer qu'il prenne une sortie secrète hein, du niveau 15. Ah Bro est mort. Comment c'est possible? Ah, oui, quand il est arrivé. Bah, le problème, c'est que ça, c'est le problème. Mais ça coûte pas trop de cher. Il aurait peut-être carrément pu se suicider en arrivant. Mais il a plus beaucoup d'armure en fait. Et ce qui fait qu'il réussisse très très vite. Il le réussisse et il y va. Go. Non, il est presque trop tard là. Là, ça va être trop tendu. Ça va être tendu. Ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Faire gaffe. Allez, c'est bon, c'est passé. 45. Alors, c'est que en fait, il y a un truc que vous n'avez pas, c'est qu'on n'entend pas le son. Alors que normalement, il y a des indices sonores. Hein. Vous entendez le clic, on va dire, de l'interrupteur. Tifa qui ne fait pas le glide décide de faire la backup. Voilà, normalement, hein, quasiment, parce qu'on l'a pas vu souvent le glide hein, ici. Millet le fait. Enfin, pas tous, c'est faisable, je veux dire. Oui, non, mais après, c'est faire le glide sans perdre de temps aussi. Bah, Millet. Mais on expliquera le glide hein, quand on en verra. Ouais, on en verra plus tard, ne vous inquiétez pas. Il y a deux types de glide et il y a un type de glide qu'on ne verra pas parce que trop dur. L'autre glide, on a des chances de le voir, mais j'attends au moins pour illustrer que quelqu'un le fasse. Bro le fera peut-être à l'issue ce niveau en référence à Wolfenstein 3D. Ancien jeu hein, de id Software. C'est vrai que j'y ai joué finalement après Doom en fait, parce que j'avais pas d'ordi à l'époque, mais le qui a beaucoup marqué les esprits aussi. Ouais, qui est quand même moins intéressant hein, que Doom en termes de level design. Par contre, ça pose vraiment les bases hein, de ce que l'on retrouvera dans Doom. Et fallait technologiquement passer par Wolfenstein 3D pour nous permettre d'avoir Doom de toute façon. Alors petite particularité, on joue du coup sur Z-Doom, il y a des toutes petites différences avec le Doom d'origine, notamment nous on autorise les gens à avoir le crosshair, c'est-à-dire un petit viseur, un petit point, et deuxième différence, on autorise les gens, on enlève le Infinite Monster Hell, c'est-à-dire que les monstres n'ont pas une hauteur infinie, contrairement à strictement Doom 1. Et donc ça va permettre aussi des petits tricks et ça va en empêcher d'autres, c'est très marginal, mais bon, vu que tout le monde joue la même version, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici il s'agit de faire un abus d'interrupteur et de ne pas déclencher les ennemis. Il faut Attention Tifa, on n'a pas le son, mais normalement il y a des gunman et des gunmen. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ça se verrait, hein. De toute façon c'est visuel parce qu'on voit des balles qui nous frôlent en permanence, vu qu'on se déplace vite en général, les balles nous évitent. Espérons que Bro puisse faire la même chose. Toujours maintenant une minute d'écart hein, entre Devil Tifa et Brother Main. Alors pendant ce temps-là, c'est le fameux niveau 17, un des niveaux les plus longs, le deuxième niveau le plus long du jeu. C'est pas forcément le plus dur, il y a pas mal de portions un petit peu techniques, on peut mourir les morts. Grand surtout. Ouais, les morts très très grand, donc mourir c'est refaire un niveau entier. Ouh, il a pris cher, mais ça va aller. Alors. Il y a pas mal de backup au niveau des points. Ouais. Ça devrait aller, je pense. Zigoubi mais c'est ça qu'il faut apprendre à connaître. Les solutions de secours sur ce jeu sont vastes et nombreuses parce qu'il y a toujours des endroits où aller, mais si on connaît pas la map et qu'on ne l'a fait qu'en speedrun. Zigoubi, il faudrait pas perdre trop de vie quand même. Ah, il est au 14, il est en train de faire. Bah, pareil pour Cladol, hein. Cladol aussi qui a encore mal compté. Il est au 14, il va tenter son rocket jump, je suppose, bientôt. Ah, il est décalé depuis le début, Cladol. Ouais, en fait, c'est ça, il a toujours. Bon, à un moment, il était au niveau 7, il était encore au. Ouais, c'est à 5, mais bon, c'est pas grave. On est là, ne vous inquiétez pas. Donc il est bien. Tifa qui réduit du coup le 17 du premier coup. Assez Regardez bien, Bro, lui, il a activé les cacodémons. Ouais, c'est plus relou, mais il passe. Ça va. Il s'en sort. Il a la maîtrise, il a quasiment pas perdu de temps en fait. Hein. Personne ne tente le. Du coup, Bro va pas tenter le strafe jump qu'il y a dans l'escalier. Mille à le tente, et un des derniers à le tenter, les autres prennent la route normale. Après, c'est toujours une histoire de pourcentage de réussite. Hein. Si vous êtes à 20%, vous tentez pas ce genre de choses en race. Oui, c'est clair. Donc là, 18, le dernier niveau. Un niveau vraiment gratuit pour le coup. Hein. C'est un niveau.
Ouais, c'est parti pour Zigouigoui. Oui, c'est passé du premier coup pour Zigouigoui. Ça le remet en confiance. Ça. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sachant effectivement. Que Clodon l'a réussi aussi, il est au 15. C'est ouais. Vrai que ça va tellement vite, Dom. Ouais, c'est clair, c'est difficile d'être partout simultanément. Et alors que trop... Tifa, ça y est. Mais non, qu'est-ce qu'il fait, Clodon? Il est passé à gauche. Bah voilà, il est passé à gauche. Tifa, niveau 18, anecdotique, hein, ça a été très rapide. 19 les moins, mais pas ouais, difficile. Non, ça devrait, voilà, pour l'instant, on va pouvoir se concentrer un petit peu sur... bah là, c'est bien, hein, tout le monde est passé sur la difficulté correctement. Enfin, peut-être Bro qui a un tout petit peu galéré, mais qui reste en avance. Il a vraiment fait un 17 très propre, Tifa, parce ouais, qu'il a ouais. Une sacrée avance sur... Bah, en fait, Bro. Il a surtout pris de l'avance au 14 quand même, hein. Il avait une minute. Ah oui, c'est vrai. Ah d'accord, Kyu Shodo Naruto Seb aussi au 17. Oh là là, c'est serré. Naruto Seb et Bro, ça va être serré. Ils ont décidé que ce serait difficile. Que ouais, ils vont se tirer ils vont se tirer là-bas. Alors on peut regarder les backups. On va regarder rapidement. Les backups, effectivement. Donc on voit Naruto Seb. 18. 18 pour Kyu Shodo, Naruto Seb 17. 17. Fin du 17. Oh, c'est super serré LF entre eux. 17 et Vinkaiser. 14 le Rocket Jump pour Vinkaiser. C'est parti. Allez, il a suffisamment nettoyé, il est temps d'y aller. Le petit setup dans le coin. Allez, on se retourne. It's allez, time. Go. It's time. Et c'est réussi. C'est réussi. Oh là là. Le taux de réussite de Rocket Jump ce soir est impressionnant. Mais là, on voit, bah, c'est le top. Hein. C'est le top du top. Ouais, ça met la pression pour les joueurs de demain. Parce que là, quand même, sur 8 joueurs, il y en a 7 qui l'ont réussi du premier coup. Alors, ce qui est marrant, c'est que les joueurs de demain sont en moyenne, je crois, encore plus forts sur Dome. Et donc, globalement, il y a plein de joueurs. Ouais, de toute façon, tout le monde est fort. Niveau 19 pour Bro, 20 pour Divitifa. Voilà. Un peu de calme avant la tempête. Alors, donc le 20 qui est un niveau pas difficile. Le 19, ça se fait bien. Là, les joueurs vont récupérer deux clés dans le 19 pour Bro. Contrairement à une quand on fait le glide difficile qu'on ne verra pas. Clado est au 16 pour le coup, il est raccord au niveau de C. Il ne fait pas le glide non plus, il fait le niveau normalement. Et Zigugo est au 17. Ah, glide pour Devil Tifa, vous allez pouvoir en voir un. Oui, c'est celui du 21, c'est le voilà, plus facile. Voilà, donc de passer à travers. Voilà, là c'est réussi. Donc vous avez vu, il est bien passé à travers des barreaux. Technique assez difficile qui n'est pas utilisée partout alors qu'elle pourrait être utilisée beaucoup plus souvent dans ce speedrun. Mais c'est tellement difficile à d'autres endroits qu'on ne le fait pas. Celui-ci, c'est celui. En plus, il fait énormément de temps, donc ce serait vraiment dommage de s'en priver. Le concept est très simple du glide, c'est qu'en gros, votre personnage, il fait 32 unités de large. Imaginez que c'est une boîte de 32 de large. Parfois, il y a certains espaces vides, ils font exactement 32. Donc, si on s'aligne pile avec le bon angle et avec la bonne position par rapport à cet espace vide, on va pouvoir passer. Donc, quand il y a un angle droit, c'est ce qu'on appelle les glides faciles, parce que du coup, on est déjà calé, ouais, c'est ça. Parce que des fois, on n'est pas entre deux murs. Ouais, et c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Niveau 21, ça peut être dangereux pour Tifa. C'est le niveau 22, il a mal splitté. Ah oui, il a mal splitté, effectivement. C'est justement un niveau dans lequel il y a un glide possible et un rocket jump, mais nos runners ne font aucun des pas, deux. Non. Allez, le glide pour Bro. C'est parti. Alors, à quelle vitesse est-ce qu'il va le réussir? D'abord, on vire les ennemis, mais il le fait à gauche. Moi, je le trouve plus simple à gauche. Allez, Bro. C'est vrai que David fait... On se cale à gauche, et ensuite, on a juste à faire le petit truc de souris. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne. Ah ouais, bon, il a pas réussi glide. Ouais, si, ouais, il faut mieux faire ça, effectivement, que de forcer. Hein. Mais on sait jamais, parce que ça aurait pu être la seconde d'après où ça aurait été réussi, quoi. C'est difficile de set-up ce trick, hein. C'est pour ça que les runners ne le font pas. Hein. Mais même pour la qualif, il est bien, bro, faut qu'il assure. Ouais, faut qu'il assure. Attendez, ça dépend. Est-ce que Naruto Seb l'a réussi? C'est ça la grande question. Naruto Seb, je sais pas si le tente, c'est pas son jeu de prédilection, d'où normalement, mais comme quoi il était derrière, je dis entre guillemets, pas de prédilection. Oui, ça n'empêche pas je suis sûr qu'il peut, il peut poser problème. Ah, il y a un Rocket Jump ici, Tifa, ne le fais pas. Donc, il est au 23 d'ailleurs. Il est au 23, Barrels of Fun, il y a un Rocket Jump qui n'a pas été fait. Zigugu est toujours au 17, il a dû mourir au 17, Zigugu, pas être seulement là. On a dû rater une mort pendant que Clado est aussi au 17. Il est repassé devant. Ouais, pas de beaucoup. Attendez, oui c'est ça, il est repassé devant. Des doutes. Tifa qui va terminer le 23, Bro qui arrive au fameux niveau 22. Non, pas les PV supplémentaires, il est non, plutôt bien. Il est bien. On n'a pas spécialement besoin là. Les petites combinaisons qui nous permettent de résister dans les zones d'acide. Ouais, c'est le niveau, en fait, personne ne veut perdre trop de points sur Doom parce qu'ils vont tous faire globalement une bonne perf. Oui, je pense. Ouais. C'est plutôt du coup. C'est plus se démarquer, de réussir à faire une magnifique perf. Ouais.
Une perf mémorable. Parce que dans la tête des joueurs, en fait, on les a interrogés. Tifa, dans leur tête, est qualifié, donc ils se battent pas contre Tifa. Mais par contre, les autres, on peut essayer de se battre contre eux-mêmes et essaient quand même de faire un score honorable. Parce qu'ils ont leur chance. David Tifa, le niveau préféré de ce speedrun, avec ces petites plateformes, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé par la tête des mappeurs à ce moment-là, en se disant, tiens, on va faire des petites plateformes où on pourrait marcher qu'avec un pied dessus, on va leur demander, parce qu'il y a un bouton de course hein, dans où on peut soit marcher, soit courir, et donc c'est extrêmement... On court tout le temps. Donc on court tout le temps en speedrun, effectivement. Sauf là. Sauf là, parce que c'est vraiment très très dangereux, et quand on tombe, c'est très punitif, on meurt. Ouais, on peut pas remonter. On peut pas remonter, donc c'est... Ah, la disco room. La disco cochon, exactement. Au double barrel, hein, y a aucun problème, des petits interrupteurs à droite, à gauche, au fond, on récupère la clé rouge. C'est pas forcément très dangereux, mais c'est la salle de la classe. Ce niveau est très bizarre, de toute façon, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le design. Il est vraiment The Cas, c'est un niveau que les runners appréhendent le plus. Parce non mais tu tombes, c'est tellement injuste. Horrible. Regardez bien comment c'est fin. Bon, on voit pas très bien sur l'écran de Tifa, mais... Il y a un wall running possible qui skip ça. Ouais, mais ça, c'est tellement difficile, tu le fais que quand que tu veux choper le world record, quoi. Ah, c'est ça, en plus d'une version à l'autre de Doom, en fait, comme on dit, il y a... là on est sur Z-Doom, il y a des techniques qui sont plus faciles, des techniques qui sont plus difficiles. Un petit peu différent, effectivement. Mais c'est tellement plus agréable de runner sur Z-Doom, soyons honnêtes. Ouais, c'est clair. Donc Barrel of Fun terminé, et c'est parti pour The Chasm, pour Brother Main. Alors il est au 25, Tifa, petite erreur de split, ouais. Niveau assez gratuit, sauf quand on arrive avec peu de PV. C'est et là, que... tout le monde prend la backup des 200 PV, 200 d'armure, voilà, et tellement tout le monde plus va prendre la backup du plasma, a priori. Il y a un secret. C'est vrai qu'il faut faire attention quand même un petit peu à ces balles. Ils réfléchissent même plus. Ouais, ils y vont. Ouais, on prend le plasma. C'est tellement important d'avoir des armes. Ah, on pourrait passer ça. Ouh, bro. Bro, il set up. Oh, hop, hop, hop. Comment il a fait ça vite. La prise de risque de bro sur cette petite phase. Oh là là, il le fait bien. Il le fait vachement bien, bro, ça. Très très belle, très très beau passage. Il a pris des risques là. Hein. Franchement, il a pris des risques. Dans la salle disco cochon, laquelle est bro. C'est une salle qui est pas dure, mais si on traîne, il y a trop de cochons et on peut mourir à coups de. Ouais, de coups de cochon, mais globalement, je pense pas que bro, ça va pas lui arriver. Les âmes en peine, alors on conseille de les éliminer avant de perdre du temps pour en gagner. Voilà, c'est ça, parce que. Qui nous pousse. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que c'est ça. C'est pas les dégâts le problème. Le fait est qu'il nous décale de quelques pixels et quand on voit la largeur de la plateforme, ben on n'a pas envie de perdre ces quelques pixels. Bro, il fait ça bien. Dans le record, et je me rappelle. Il continue à faire du strafrunning. Ouais, il est là-dessus. Juste... Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens leur corps. Et je parle même pas du pseudo TAS hein, qui existe du jeu. Donc, mais bro, bah, ça s'est bien passé, je suis content. Son casme, c'était propre. On est en 26 pour Tifa, les mines abandonnées, pendant que Cladol qui est au 20. T1. Au 20 et au 21. Voilà. Va-t-il faire du coup Cladol? Oui, il le fait. Allez, le glide pour Cladol. Alors, il se cale. Voilà. Ah non, il a abandonné tout de suite. Ah non, il recommence. Non, en fait, ah oui, vous laissez cette. Ça reste mieux. Ah bah oui, il est. Pourquoi je sais pas, il veut pas tirer. Oh, il est passé! Il est passé en se faisant tirer en dessus. Mais bien sûr, mais voilà. En fait, lui, il a un setup où il se prend les coups des ennemis, tu vois. C'est un peu différent. Ouh, Tifa fait, hein, j'ai eu l'impression, mais il nous a abandonné très clean. Hein, pendant que Bro est au 25, c'est des temps... Ça se passe bien. Hein. C'est des temps honorables. Et tout le monde joue bien, hein, tout le monde joue bien. Il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Allez, on arrive au 27. L'Arc Vile n'est pas d'Arc Vile skip pour Tifa. Ah, il le tente même pas. Si. Pardon, c'est ah, oui, j'ai la qualité peur. Du stream. Voilà, alors... Arc Vile skip, hein, on va utiliser le pouvoir d'un ennemi, hein, cet ennemi là que vous voyez, qui a le pouvoir d'ouvrir les portes, et donc dans l'ancienne porte que l'on ne peut pas ouvrir parce qu'il nous faudrait la clé. Ah, non, et là ça se passe très mal. Oh ça... oui, sérieux, c'est dingue, il a traversé le mouvement qu'a fait l'Arc Vile skip, il a fait oulala, je vois que t'as pas trop de points de vie, je vais me rapprocher. Mais Tifa c'est toujours quasiment first try, sérieux. C'est incroyable, hein. Là Tifa nous fait une run de folie, hein, avec l'Arc Vile réussi du premier coup, le rocket jump réussi du premier coup. Là il prend de l'avance en plus. Il peut quoi. Pas pipi parce qu'il a vraiment. Non, parce qu'il a un pipi de malade, mais ouais. C'est quand même impressionnant en race de choper aussi facilement. Enfin, aussi facilement, c'est pas facile, mais. Il peut faire les 220 quasiment encore là-dessus. Oh là là là. Ah, il, bon, il a raté, il faut faire la backup ici. Oh, c'est tellement délirant de réussir l'Iverse qui est comme ça. Il a eu beaucoup de chance. Hein. Moi, je le voyais mal parti. Mais bon, qu'est-ce bro, que... Bro, oh lolo. Mal, là. Oh lolo, ça... Ouais, il a zigouigoui le glide, zigouigoui, allez. Allez, zigouigoui. On se concentre, on serre les fesses, comme on dit. Ah, et... Cladol, tu me rends 22. Ouais, allez, zigouigoui. Eh, qui prend des dégâts et qui passe. Voilà, la même méthode que Cladol. Hein. Il se dit, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah, c'est parti pour le... Là, on termine le 28. Brother Main, qui arrive au 27. Alors, allez, Arval skip pour Bro. Vois, je souhaite la même chose.
Il le mérite, il le mérite. Ah non, il fait la backup. Il le tente même pas. Bon. Si, il fait l'arc-vessie, mais avec la backup. Ah, il préfère le faire, oui. Ouais. Ah, c'est ça, c'est très. C'est ouais, ça. Donc avec un repère sonore. Donc c'est pour ça. Voilà, il est parti. Il a dû l'entendre. Mais faut faire du strafe running après. Ouais, allez, allez. Non, allez, oui. Oh, bro, ça s'est c'est joué à pas grand chose. Alors, c'est très drôle, c'est que là, c'est le dégât de l'arc vague, il l'a poussé à la fin. Ouais, ouais, il l'a mis dans la bonne zone. C'est pas grave, c'est passé, c'est ça l'important. Donc, toujours bien dans la race, hein, bro. Aucun problème. Ouais, il est pas mal. Niveau 29, c'est parti pour Devil Tifa. Niveau très long, très dur. On va faire des niveaux. Hey, ils vont être dans des temps de malade. Ben, ils visent le sub 35. Il fait sub 35, hein, largement pour tout le monde. Non, ils visent le sub 33, là, Tifa. Ouais, je pense. Pour ouais. faire les 215, un truc comme ça. Et je pense que Boro pourrait faire sub 33 aussi. Hein. S'il finit vraiment. Il faudrait que le dernier boss se passe bien. Le one cycle, hein, comme on dit. Non, mais ça, ils comptent pas dessus. Si, bro, ils comptent dessus. Deux cycles, c'est bien. Bro, ils comptent dessus. Un cycle, c'est de la chance quasiment. Ouais. Enfin, c'est vraiment très difficile. Il faut mettre trois roquettes d'affilée. Par contre, bro, il a décidé de prendre des dégâts ici. Alors attention. Oh, 40. Les 40 PV. Oh là là. Voilà. Et c'est bon, c'est passé. On est revenu à 200-200. Juste avant la fin. Grosse strat là pour Brother Main. Qui on a toujours une petite minute d'écart avec David Tifa, mais franchement, c'est propre. Hein. Alors, sachant que lui, évidemment, commence le 29. Barrels of Fun pour Zigugui. Ouais, et Clado l'est aussi au 23, et devrait, il va essayer de prendre les 200 PV ici, la petite strat, faut pas courir. Ah, voilà, c'est fait. Toujours le bon passage au coup de BFZ 9000, hein. La prudence. L'arme des champions. L'arme des champions. Ouais. Le big fucking gun. C'est pour ça que... les munitions de plasma sont si importantes, c'est pour le BFG, 40 balles à chaque. Oui, parce que c'est les mêmes munitions plasma et BFG, effectivement. Et surtout aussi, on fait beaucoup de plasma rush. Alors le plasma rush, c'est assez explicite comme technique, ça consiste quand il y a vraiment plein de petits ennemis faibles, on va y aller en bourrinant au plasma. Voilà, on se colle à l'ennemi. Ouh, bro, attention avec le rocket jump. Time pour Tifa, il va faire ce setup pour le rocket jump, donc il va skipper deux interrupteurs, il en fait qu'un, il se setup, après il y a deux. Il faudrait qu'il prenne l'autre arme, hein, parce que ça marche pas avec le BFG 9000. Si, il va faire ça, il faut le garder pour justement... Ah, il est tombé. Ça laisse une chance à bro, justement. Ça laisse une chance à bro, si lui il le passe du premier coup, c'est vrai que ça peut tout changer. Fin de niveau 29, hein, tellement long. Ouais, il va... C'est backup pour Tifa. Ouais. Sa backup. Et bro, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va bientôt y arriver. Alors, ouais, ce serait beau si ça pouvait passer, hein. Ce serait vraiment beau. Attention, l'Arvel l'a pas touché, tout va bien. Surtout, donc Zigugu qui est à The Casm aussi, tout comme Cladol qui est dans la salle Disco Cochon. Disco Cochon pour Cladol, effectivement. The Casm qui se passe bien pour Zigugu qui s'en sort. Et c'est parti bientôt. J'ai cru qu'il avait fait une petite bêtise. Oh là là, il faut tuer cet ennemi. Non mais pourquoi il attend? Il est but ici, c'est vraiment... Mais non, c'est bon. J'ai une petite peur. Attention. Ah là là, faudrait pas tomber pour Zigugui. Par contre, bro... Bro, il a plus beaucoup de PV, mais c'est pas si grave que ça pour tenter le skip. Tifa, il est complètement fou. Il a fait un débat en demi-teinte. En fait, il est très fort, Tifa, donc les gens exigent beaucoup de lui. Attention, c'est parti. Ah, et c'est raté aussi pour Bro, c'est dommage. Bon, il va tenter la backup direct, je pense. Hein. Il va pas se poser la question. Il nous fait la même que Tifa. Pas forcément. Bah, tu penses qu'il veut la retenter? En fait, il vient d'utiliser un coup de BFG, donc je pense qu'il va se reset up. Bah, il reset up, effectivement, tu as raison. Il se reset up au plasma. Et il change d'avis. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il change d'avis, tout compte fait. Ouais, bon, il va refaire le niveau normalement. Ouais, c'est une décision difficile. Hein. Oh là 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 là, la roquette. Ouais, la roquette, pendant ça que fait Tifa... mal. Tifa arrive au dernier boss. 1, 2, est-ce qu'il a touché la deuxième fois? C'est la grande question. Non, il va faire donc un cycle supplémentaire. Donc un cycle supplémentaire, ouais. Mon avis, sub 33. Sub 33 est jouable en tout cas pour Tifa. Sub 34 peut-être pour The Brother Main qui a vraiment une petite minute de retard. Voilà, il va finir le niveau tranquillement maintenant, bro. Il n'y a plus trop de problèmes. Ah, bah c'est encore raté. Quoique, il est PV, hein, de bro. Il prend des risques. Hein. Il prend des risques. Niveau 30, Icon of Sin pour les deux. Et c'est fini pour Tifa en 32-26. Voilà, on va voir. Très belle run. Hein. Le sub 34 pour bro. Sub 34 pour bro, ouais. À moins qu'il fasse un first cycle, mais bon. Ouais, on n'y croit pas. Mais ça nous ferait rêver. Ah, ça nous ferait plus que rêver, c'est hyper rare. On en a vu. Et Pins en a fait un une fois en race. Mais Pins, c'est un peu le spécialiste. Ah ouais, Pins, c'est celui qui a fait. Allez, bro.
1, 2, je pense qu'il en a mis deux. Hein. Ouais, je pense qu'il va être tout cycle, effectivement. Ça va jouer à pas grand chose. On est dans les 32-30 pour Bro. Je pense qu'il sera satisfait hein, de ce genre de performance quand même. Ouais, donc sub 34. Voilà, c'est fini pour Bro. Ravi, hein, je pense, Bro, à 33-04. On va voir s'il y a la petite latence. Est-ce que. Et Naruto Seb, où est Naruto Seb? La grande question. Alors, on peut faire un point backup pendant qu'en tout cas, Claude, on va revenir après sur nos deux mains, mais petit point backup. Et Naruto Seb n'a pas terminé. Ah, il est à fin du 29. Ouais, fin du 29 pour Naruto Seb, le 29 pour Cute Shadow, le 29 pour LF, ouais, et le 23. Oh là là, c'est serré. Le 23 King Kaiser. Oh là là, qu'est-ce qui se passe chez King Kaiser? Ah, c'est son jeu le plus mauvais. Ouais, c'est vrai qu'il l'avait annoncé, hein, mais effectivement, bah, c'est vrai que son PB, c'est niveau 28. Hein. Donc on va retourner sur les mains, hein, mais effectivement, ça... C'est très très serré parce que finalement, nos mains, certains de nos mains sont effectivement derrière certains backups. Et Brother Main surtout va se détacher hein, de Naruto Seb là pour le coup. Hein. Il va quand même gagner pas mal de points. Ouais, mais Naruto Seb assure quand même des points. Ah oui, il assure, je dis pas qu'il assure pas. Mais voilà, ils avaient qu'un point d'écart, ça sera différent à la fin de Doom 2. Voilà, donc effectivement, ça fera sans doute une deuxième place large pour Bro au classement général de ce tournoi, de cette grande finale. Ah, c'est beau en tout cas. Hein. Ça joue, ça joue. Mais du coup, effectivement, Zigouigoui, Cladol, le sub 40 va commencer à être compliqué. On arrive à, là, là, on arrive à l'Argvile. Ah, Naruto Seb, oh là là, Cute Shadow et Naruto Seb sont dans un mouchoir de poche. Est-ce que c'était les derniers coups de Rocket? Allez, Cute. Non, c'est raté. Mais il est pas mal, attention. Alors il est pas mal. Si, c'est bon, c'est réussi. Oh là là. Très beau Icon of Sin de Cute Shadow. Et c'est très clean, très, très clean, très, ça très clean. Ça veut dire qu'il va regratter des points ouais, à Naruto Seb. Et oui, oui, c'est Naruto Seb là, à qui ça coûte cher mais ce Doom 2. Ça va être trop serré. Ça va être méga serré. Normalement, ça va être bon là pour Naruto Seb. Il va finir Icon of Sin maintenant. Oh voilà, là, c'est là, terminé. Là, 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 mais et c'est moins pas de 35 hein, quand même. On a quand même beaucoup de gens sub 35. On va se regarder et si. Zigouigoui et Cladol qui sont dans. Bah, ouais, tous les deux assez proches. Je sais pas s'il sera possible de nous. Bon, il reste pas beaucoup de temps, mais de. First Seek pour Cute Shadow, effectivement, c'était très beau. Il nous l'a montré. Wow, et Zigugui qui réussit la Rival Skip. Et attention, c'est au tour de Clado de le réussir. Ce serait. Ah, oh, mais il le fait mal, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est pas de chance. Ah, c'est Clado, pas de chance. Il a pas de bol. Allez, allez. Ah oh là là, il a plus de PV, c'est la fin. C'est la fin, il a plus de PV. Encore un hit. Allez, un hit. Allez. Ah, mais non, non, il viendra pas assez près. Voilà, c'est la mort pour Clado. Parce que c'est vrai que c'est le gros problème de la Rival Skip, hein, c'est de manipuler le comportement d'un ennemi. Hein, c'est toujours un petit peu aléatoire. Ah, c'est tendu. Moi, j'ai vraiment la boule au ventre pour les runners à qui il en manquera peut-être quelques ouais, points. Ouais, ça va être. Ah, c'est... Parce qu'un Tifa, il a de la marge, mais Bro, il est bien. Naruto Seb, Cute Shadow, c'est pas mal. Et maintenant, pour ouais. certains, ça commence à être. Cladol pourrait quand même. Cladol, il est pas très bien là. Ouais, non, c'est, ça risque d'être chaud. Ouais, la backup pour Cladol, hein, c'est une perte de temps, ça. C'est parce qu'il sait qu'il est streamé, il veut montrer la Revival Skip, il veut montrer qu'il sait le faire aussi. Bah, c'est surtout, il a peut-être pas bossé la backup depuis longtemps. Moi, par exemple, je l'ai pas rebossé, je sais même plus. Bah, c'est tout le problème, bête, en fait. C'est le problème. Il pourrait faire la backup, par contre. La backup de la backup. Non, la backup tout court. Ah oui, il pourrait tenter la backup tout court, effectivement. C'est juste... La backup ouais, sonore, effectivement. Ce serait jouable, ça se tente, dire ça. S'il l'a bossé, c'est beaucoup plus simple. Ah, bon début de pattern. Ah là, il est pas mal. Là, c'est bon. Ça passe. Ah, ça lag. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oui. Oh, j'ai eu trop peur pour Cladol. Oh là là. Alors, ça... Oh là là. La Revival Skip, c'est toujours des émotions, de toute façon. Ouais. Là, Zigouigoui. Niveau 29. Je sais pas où en sont nos deux backups aussi. Ouais, ça doit pas être loin. Hein. Les gens sont en train de terminer. 29. Ok, donc il y a... Bon, Vin Geyser, il est vraiment mal. Ah oui, il est vraiment mal. Mal hein, ah oui, effectivement. Son but, ça va être d'assurer les points, parce que c'est son jeu le plus il simple. Reste 3 minutes, un peu moins de 3 minutes pour terminer. Il va pouvoir faire le 25, il va ouais, peut-être pouvoir faire 26, et peut-être. Le 27 s'il a du bol, avec la Revival Skip. Mais le 28... Ouais, il faudrait vraiment du bol. Hein. Il faudrait qu'il fasse un Revival Skip perfect dès qu'il arrive, parce que je pense que ça va être chaud. Hein. Et je pense qu'il serait content de faire 27 si son pipi c'est 28, hein, honnêtement. Mais LF, il va faire plus que ce qu'il a fait au tournoi de la dernière chance, j'ai l'impression. Il est parti sur... Même si c'était ouais, un peu c'est... faux. Ils sont bien contents qu'on se sera passé, en tout cas. Donc le ouais. 26 pour Vin Kaiser et LF qui va sans doute terminer ce 29 qui va arriver ensuite à Icon of Sin, si tout se passe bien. Il devrait avoir le temps de terminer. Yeah.
Alors, il est. Allez, Vinkeyser, on y croit. On y croit. Non! Non, Elef, non! Elef! Ah, le Non! Oh drame! là 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 là! Alors qu'il prenait son temps, le cacodémon, effectivement! C'est un oh caco là qui là. Était pas Ouais, mort ouais. dans la fameuse séquence où on lance des roquettes. Ah là, Et ça. on rappelle que dans Doom, les monstres, ça, ils nous aggro pendant tout tout le dans n'importe quelle direction, ils n'ont pas besoin vraiment des portes. Voilà, on va retourner sur nos mains, voir où en sont Clado là, Clado là. Ah, 2 minutes de perdu pour Elef, ça je suis assez d'accord. Du 29, oh là là, le minimum syndical. Le minimum syndical pour des runners de ce niveau-là, c'est valider le 28. Il faudrait quand même terminer le jeu. Ça va être compliqué, hein, c'est pas acquis. C'est pas acquis. Clado, il a fait une bonne fin de speedrun, mais un très mauvais début. Oh là là, et puis même, ouais, ça a coûté cher. Oh là là. Attention, la veille. Il ah, s'est fait toucher. Il s'est tombé. Il s'est pris le coup. Surtout, faut faire gaffe. Il reste attention, plus... Zigougou, il a 3 points de vie. Non, il a 3%. Zigougou, il peut plus terminer le 29. Et... Non, mais c'était chaud. Clado, il est obligé de tenter directement avec un seul ascenseur. Il pourrait presque tenter le rocket jump. Ouais. Qu'il y a dans le record. Ouais, bon, il en est là. Effectivement, il en est là. Ah non, bah il peut plus non, finir. Voilà, non, c'est fini. C'est fini pour Zigou et Clado. Ouais. Ils peuvent plus finir. On va regarder ce sera du 28. Ce sera du 28. Ils peuvent plus finir le 29. Alors, où en est surtout Vinkeyser? Vinkeyser pour qui? Il est trop loin. Ouais, il est en loin. Éclat. Il est oh mort. Là, 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 ah, bah personne là, va terminer. C'est non, fini. Personne va terminer. LF non plus. Ça lui a coûté beaucoup, beaucoup trop cher hein, cette mort. Oh, c'est... ouais, bon, bah attends. Je pense que ça y est. Hein. Ils savent que c'est la fin du timer. Ça va sonner. Et ça a été quand même une très belle race, en tout cas, de la part de Naruto Seb, de Kyuchado, de Tifa et de Brother Main. Hein. Ouais. Ça a été méga serré. Et je pense que ça met quand même les gens de demain dans une situation difficile. C'est fini cette race ouais. de Doom. On a quand même pas mal de gens qui ont fait un sub 40. Alors Twin, qu'est-ce que t'en as pensé de cette race de Doom? Ah, on n'entend pas Twin. Tu as coupé ton micro, Twin, attention. Un deux. Oui, voilà, tu es de retour. J'étais en train de dire, j'étais à fond sur mon siège parce que Naruto Seb a fait un pibi de 5 minutes, messieurs. Ah ouais, et Kyuchado a fait un pibi de 2 minutes. Ah et là en là. Fait, le plan de bro qui statistiquement devait mettre une roost, enfin, devait mettre 15 points à Naruto et à Kyuchado, il est dégoûté parce qu'il s'est fait en fait coller à mort. Et, c'est horrible en fait. Enfin bref, c'est voilà. C'est pas terminé. Puis il a quand même gagné. Il a quand même gratté des points. Il est à ouais, un non, point mais... derrière Devil Tifa sur ce Doom. Et puis il a mis 5 points à Naruto Sep, qui était son premier adversaire dans cette décathlon d'aujourd'hui. En tout cas, la lumière. Analysons un petit peu ces données avant de lancer le prochain jeu et avant d'accueillir aussi la dernière personne qu'on n'a pas interviewée. On avait dit qu'après Doom 2, on devait arriver. Les gens devaient faire 200 points à Doom. Sympa, c'est le minimum syndical. Et donc faire 1340 points, ben c'est pas mal. Il y a du monde. Il hein. Bah, y a du monde. C'est ça qui est terrible en fait, c'est que on avait un début assez mitigé, je pense, le stress et tout. Là, les gens sont chauds. Là, ça y est, là, ils sont partis. Hein. Et ils sont en train de foutre une pression maximale aux runners de demain en fait. Parce que au début, les runners de demain, les ils disaient, de demain qui étaient vas-y, là, c'est ouais, tranquille. C'est cool. Là, c'est... Peut-être en que fait, personne c'est... ne sera qualifié demain. Peut-être mais sauf Millet, normalement. Bah, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que Moliman, Armentis, Humpins, qui se voyaient, je pense, assez confiants par rapport aux 3-4 premiers jeux, parce qu'en plus, ils sont meilleurs, eux, sur les 3-4 premiers jeux. Là, il y a eu un Metroid Zero Mission et un Doom complètement fou. Et ouais. En gros, là, Kyuchado, il est en qualification probable. Ouais. Alors qu'il est quatrième. Donc c'est complètement mais dingue. Hein. C'est fou parce que le chiffre qu'on avait posé, Twin, c'était en mode déjà, c'était... Ouais, c'était toujours bien, quoi. C'était déjà assez sévère et je me rends compte que c'était peut-être le premier chiffre qu'on avait avancé, qui était plutôt à 1875 en fin de décathlon. Donc on verra, je pense que de toute façon la fourchette devrait pas être loin. Mais... Moi je pense qu'on va être à 1900 hein, pour quelques non, joueurs. Non, ça paraît impossible. Par contre, si tu fais pas 1900, t'es pas qualifié. Non, moi, Pro Naruto et Kyu ne peuvent pas faire 1900 en fait. Bah, ils seront pas qualifiés. C'est que, voilà, ils seront pas qualifiés. Mais ouais, 1875, moi, c'est un chiffre que j'avance depuis assez longtemps. Et voilà, la performance de Naruto Seb est complètement délirante. Hein. Donc, parce qu'il s'attendait à faire 39-50. Voilà, il pensait faire le 200. Quoi. Voilà, il visait le 200 et il a fait 215, quoi. Et ouais. c'est.
Il doit mais bouillir, il doit être en mode. Qu'est-ce qui se passe? Il faut pas qu'il parte trop en confiance sur Ninja Gaiden 2. Non, mais personne part confiance en Ninja Gaiden 2. Alors moi je propose justement qu'on a la seule personne qu'on n'a pas interviewée, c'est Cladol. Dernière personne qu'on n'a pas interviewée. Peut-être pourrions-nous regarder le clip de Ninja Gaiden 2 le temps d'aller le chercher. On fait l'interview de Cladol et puis après chaque jeu, je pense qu'on pourra prendre, on prendra quelques mots de beaucoup de joueurs pour voir un petit peu comment ils sentent, parce que les derniers jeux vont être les pires, parce que on se rapproche un petit peu du chiffre auquel on est habitué à la fin d'un décathlon. L'objectif est beaucoup plus clair, on sait ce qu'on a raté, on sait ce qu'on a réussi, il reste plus grand chose. Donc je propose que nous regardions le clip de Ninja Gaiden 2 qui sera la prochaine épreuve. Donc il reste plus que 3 épreuves. Après Ninja Gaiden 2, il y aura Gremlins 2 Spelunky. Et Ninja Gaiden 2 sera commenté par Realmyop et Twin. Donc petit clip et on sera avec Cladol. De retour, nous sommes en compagnie de Cladol, comment ça va? Bonsoir, ça va pas terrible avec ce Doom totalement foiré. Ah ouais, mais on a remarqué ça, j'ai eu l'impression que c'était surtout ton début, le début a été un peu dur, une mort aux deux, c'est ça? Alors, une mort aux deux, il y a eu une mort à Dead Simple, il y a eu un foirage à Trick and Traps qui m'a fait tomber dans le trou. Ah oui, c'est jamais arrivé. De tous mes runs que j'ai commencé de Doom, ça m'était jamais arrivé de tomber maintenant, faut que ça tombe au final évidemment. Ah là là, c'est horrible cette mort. Et quoi, j'ai failli mourir à Downtown, j'ai failli quoi encore hein. Ah ouais, c'est... Il y a eu une mort ou deux encore. Hein. Mais j'ai bien vu que mais c'est... Mais j'ai senti venir que j'allais pas finir. Ouais, c'était éprouvant, ça a été très 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 compliqué, on l'a vu. Enfin, ça a été une run, en gros, des gens qui d'habitude font des performances très bonnes comme toi, étaient en dessous de leur niveau, mais t'es pas le seul. Et je sais pas si t'as entendu, mais Naruto Seb, c'est le contraire, il a pibé 5 minutes. Ouais, il y a eu 2 ou 3 pibis même, avec Shadow, il a fait un pibi de 2 minutes aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu restes devant Vinkaiser. Ouais. C'est ça, c'est l'important. C'est quoi cette voix toute molle? Vinkaiser t'a quasiment défié, il a dit tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Je veux être devant Cladol. Voilà, c'est... Ah, il fait ce qu'il veut. Hein. Après, moi, je joue à mon niveau, et puis après, s'il veut me battre, il vient me battre. Hein. En tout cas, bilan, du coup, t'es quand même, à l'issue de tous ces tournois, toute cette saison 2 de l'Ultime Décathlon, t'es une des figures que les gens ont retenues. Ton tournoi, donc ces 6 premières épreuves, là, on vient de parler de Doom, mais pour les épreuves d'avant, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé? Et surtout, il reste 3 épreuves. Qu'est-ce que tu redoutes et qu'est-ce que tu comptes faire? Alors là, au niveau de ce qui s'est bien passé, mon deadcore était très très bien. J'ai failli égaliser mon PB, je crois que j'ai eu 30 secondes d'écart. D'accord. Ducktail s'est passé de manière classique. Avec quoi après SMB, c'est passé tranquille aussi. Même si c'est au-dessus de 5 minutes, c'est à foirer sur le Super Monkey Ball. Je sais plus. j'oublie déjà. Le reste après ça allait quoi. Il y a juste mon Doom qui était misérable et mon deadcore qui. Je pense que c'est deadcore là pour l'instant qui est au-dessus de tout. Mais c'est ça qui est fou, je sais pas ce que t'en penses, Twin, mais quand on regarde Cladol, à part la contre-perf objective par rapport à son niveau sur Doom 2, qui aurait dû leur apporter, mettons, 20 points de plus, hormis ça, je veux dire, c'est des temps vraiment très bons. Mais c'est juste que le niveau est tel aujourd'hui que c'est ouf, parce que quand je regarde tes temps, en fait, indépendamment des performances des autres joueurs, je me dis, en fait, c'est bon, le contrat est rempli, quoi, c'est cool, quoi. Je considère que je suis à mon niveau, là, en fait, hein. Je suis pas à niveau de mes PB, mais... Ah, un petit peu en dessous sur SMB, t'as raison. Tower aussi. Fall, ouais. SMB, Doom, hein, t'as quand même pris, t'as pris 75 points dans la gueule, en fait. Donc ouais, mais Tower Fall, le problème, c'est que là, je suis à même pas 10 secondes de... si... Ouais, c'est ça. Je suis pas loin de mon PB, quoi. Ouais, mais t'es, enfin voilà, c'est, tu prends pas mal de points. Ouais, Super Monkey Ball et Doom vraiment, mais sinon ouais, c'est pas des contre-performances. Hein, c'est juste que le niveau il est débile, quoi. Et ça c'est. Mais c'est cool. Bah ouais. Mm-hmm. Ah putain. Et en tout cas donc pour les prochaines épreuves, il en reste 3 et on sait, on a mis ces épreuves là à la fin. C'est des jeux stressants, durs, voire RNG pour certains.
Bon, il y a Gremlins 2 qui c'est celui qui me fait le moins peur. Gremlins 2. Spelunky, je dirais au-dessus, puis c'est vraiment Ninja Gaiden 2 là. Ouais, Une fois que ben. Ninja Gaiden 2 sera parti, c'est bon, je considère que là, quoi que je fasse, on va voir. Tant que je suis pas dans les 17 minutes sur Ninja Gaiden 2, ça devrait aller. 17 minutes. Ouais, 17 minutes, c'est mes tendrilles, ça, dernièrement, dans les tournois, surtout, D'accord. c'est ça. Sinon, mon PB, il a 12-23. Ouais, parce que ça me paraît. Ouais, tu peux faire mieux que 17. Je compte sur toi. Moi, j'y crois. J'y crois à Bah, mort. j'espère. Pour une fois, j'espère qu'il va me sauver un tournoi, Ninja Gaiden 2, parce qu'il me les a souvent plombés. Ouais, c'est les 10 jeux à la suite, hein, c'est la loi. Ouais. Mais Ouais. après, si ça peut te rassurer, ça peut faire l'effet inverse aussi, c'est que Ninja Gaiden 2 était le jeu le moins terminé. Ça a été souvent un jeu en raid catastrophique. Jusqu'à récemment, où maintenant ce que je dis n'est plus tout à fait vrai, il y a plein de gens maintenant qui font des sacrés temps, qui font des quasi 11, donc des 11, sub 11-30, surtout Mila et Tifa en l'occurrence. Mais c'est vrai que c'est le jeu où on voit beaucoup de contre-perfs. Enfin, mais toi, a priori, tu connais les backups sur Ninja Gaiden 2, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc j'ai vu des gens. Ouais, mais même une backup nous fait quand même perdre 2-3 minutes. Mourir au set 2 avant le boss et plus avoir les magies qu'il faut, ça oblige à refaire le set 2. Donc au final, même savoir où est-ce que sont. C'est plus des backups à ce C'est plus. Ouais, Non. c'est ça. Faut Ninja Gaiden 2, essayer de les pas faire d'erreur. backups, c'est C'est essayer de prié. perdre le moins de temps avec en ayant déjà perdu beaucoup de temps, quoi. Eh ben en tout cas, bah si, un petit avis quand même. Là, si on regarde, je sais pas si t'as le tableau des scores, donc toi t'es à Oui, je les ai sous les yeux. 1289, avec deux petites contre-perfs, donc t'aurais dû plutôt te situer vers 1315, quelque chose comme ça. Là, on a quand même pas mal de joueurs, parce que ce qu'on disait, c'est qu'on avait fixé, on avait mis le score de 1865 points, qui était un chiffre qui donnait une indication intéressante sur une qualification probable. Et donc ce 1865 points après Doom 2, ça fait 1340. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a quand même du coup 4 joueurs qui sont au-dessus. Kyo Shadow à 1348, Naruto Seb à 1354, Bro à 1362, bon évidemment Tifa à 1392. Comment tu sens que ça va se passer? Surtout pour ceux pour qui c'est un petit peu chaud là. Qui a des chances de se qualifier à l'ultime finale parmi ces joueurs? Bon, des Tifa, on peut en parler. En fait, on va parler juste surtout du deuxième. Entre Bro, Naruto et Kyu Shadow. Bro, s'il continue comme tel qu'il est lancé, ça peut le faire. Mais surtout, Il a surtout peur de Gremlins 2, je sais, donc la question c'est est-ce qu'il pourrait y avoir trois qualifiés aujourd'hui et un seul demain, au vu des performances? Vu ce qu'il y a demain, à mon avis, moi je considère que la proba pour être qualifié à l'ultime finale, faut finir maximum dans les deux premiers. Ça peut arriver que je pense qu'il y a plus de chances peut-être que demain il y en ait trois. Non, Je sais encore plus. pas. Ça peut arriver, hein, Mais de toute façon, surtout quand demain je vois vous des gens changez comme Millet tellement de ou points. M'Penis. Demain Demain, vous quel pile de direz, points si vous faites autrement? pas 1900, tu n'as aucune chance d'être qualifié. Ah bah, c'est ouf ça. On va dire qu'au moins ils auront un objectif à se fixer, quoi. Ils savent que dès qu'ils pourront relâcher la pression s'ils arrivent à battre. Voilà Demain, quoi. comme on connaît les étalons, on fera. Si tu n'as plus aucune chance en faisant 200 partout de te qualifier, tu t'arrêtes de runner. Non, évidemment, c'est. Non, on ira jusqu'au bout, mais c'est vrai que ça va être chaud. Ça va être chaud demain. Ça va être très très dur. Je pense que certains vont mal dormir et que ça peut jouer sur leur Ouais, performance, c'est ça. vraiment. Mais c'est marrant parce qu'au début, je me suis dit, ouah, le niveau est un tout petit peu en dessous, du coup, demain, ils vont arriver détendus et ils vont faire des meilleures perfs. Et en fait, ça va faire l'effet inverse. Alors, je sais pas si t'as une question, Twin. Une autre question à Claude. De toute façon, je pense qu'on aura les joueurs, on a un petit peu d'avance, donc les gens, on aura l'occasion de les. Parce que ce serait bien que Claude se mette le jeu un peu dans les doigts, surtout parce que. Carrément, ouais. Ah non, moi je m'entraîne pas, moi Tu joues pas à j'ai. Ninja Gaiden 2, toi? De toute façon, il a une vidéo, il la lance, et puis c'est bon. Je mets mon Joker sur Ninja Gaiden, je prends Tu peux prendre 150 200 points. points. Oh, ce serait Ce sera le world record. Un Un tournoi système avec de des Joker. jokers où les gens, avant de runner, disent: Ouais, je préfère, mettez-moi 100 points et je run pas. C'est des espèces de systèmes de paris, ça pourrait être drôle pour un tournoi fun. Et surtout, c'est que tu mets un Joker inverse, c'est que si tu fais plus de 200, ça te fait 100 points de plus. Ah, tu mets des Tu mets des coefficients. Tu mets coefficients et des puis coefficients. je suis hyper confiant. Si tu échoues, tu échoues encore plus dur par contre. Ok, et ben en tout cas, bonne chance à toi, Cladol. Bah, merci et bonne continuation pour À les tout de suite. commentaires. Ouais, merci. À toutes. Merci. Oh, ça va, c'est nous. Non, nous c'est pas dur, hein. Non, Nous c'est on a la tranquille, hein, partie comparé à facile la du tension travail là. qu'ils ont. Ouais, carrément. Les runners sont bientôt prêts. Et ben quoi Ah qu'il en bah oui. soit, et ben je vous laisse nous donner les bases, les rudiments du jeu et du speedrun à nos spectateurs. Je vous retrouve tout à l'heure. Je me fais une petite pause, voilà, et je regarde ça. Ça À marche. tout de suite, CDV. Bah oui, parce que c'est vrai que Ninja Gaiden 2, on l'aime hein, ce jeu, on le déteste, je ne sais pas, c'est une histoire d'amour un petit peu particulière, hein, Ninja Gaiden 2.
Jeu de 1990, hein, qui est vraiment incroyable en termes de complexité, de gameplay. Il y a beaucoup de choses par rapport au nombre de boutons qu'il y a sur la manette, en fait. Ouais, c'est un jeu en fin de vie de la NES et ils ont Ouais. vraiment poussé le truc à fond. Donc À c'est un jeu de fond. plateforme action, un bouton pour même gameplay que Castlevania. Donc un bouton pour tirer, un bouton pour sauter et un bouton O plus le plus B, ça utilise la magie. Voilà. Plutôt voilà facile à utiliser et à manier. Mais par contre, ça a lancé presque un genre de jeu. Ça suit les Ghouls and Ghosts en fait, qui sont plus de la plateforme puzzle où c'est très dur de faire la première fois et ensuite ça devient plus facile. Donc comme Volgar, comme ce genre de jeu. Mais par contre, la première fois, c'est vrai qu'on en C'est fait horrible. complètement. Bah surtout, c'est qu'il y a un système de magie qui est un petit peu particulier. Et en gros, si tu as la bonne magie sur le boss, sur le bon boss, tu vas vraiment le trucider. Alors que si jamais tu n'as pas la bonne magie, ça va être complètement infernal de le tuer. Et c'est là-dessus que ça va être intéressant justement pour les runners. C'est de bien faire attention aux objets qu'ils prennent. En fait, vous allez voir dans le jeu, il y a des petites boules rouges hein, qui vous donnent des petits drops. Hein. Ça peut vous donner de l'énergie, ça peut vous donner donc une magie, vous faire remonter votre magie. Et mieux encore, il y a des petits parchemins que vous allez pouvoir récupérer qui vont augmenter le niveau total de votre magie. Et donc ça, il va falloir les prendre. C'est indispensable si vous voulez finir le jeu parce que ça vous donne plus de magie. Pour passer certains boss, ce sera indispensable. En tout cas, les passer rapidement. Et donc, c'est une mécanique qui est essentielle, en tout cas pour la run. Et si c'est tout le problème de la mort dans le jeu, c'est qu'il faut se rappeler de là où on va pouvoir récupérer de la magie. C'est pas normal de mourir, quoi, on va dire. Et c'est horrible de devoir reprendre. C'est un peu le côté Gremlins 2. C'est peut-être encore pire dans Gremlins 2. Mais dans Ninja Gaiden, quand on meurt, c'est très très punitif parce Bon, qu'il faut à ce pouvoir niveau-là, repartir, ils quoi. connaissent tous, hein. Donc, par contre, c'est juste un Oui. élément stress, un élément confiance. Voilà, c'est ça. Allez, c'est Ils ont parti. tous envie de pas mourir. Vraiment, ça va être hyper important. Brooke est premier, hein, ça se passe très très bien pour lui. À ce niveau-là, s'ils meurent pas, ils font environ entre 12 et 13 minutes. Voilà, c'est vraiment. On peut faire sub 12 en mourant, hein. Ça se fait assez bien, même enfin à leur niveau, même si. Mais par contre, ils peuvent pas faire sub 11 parce qu'il y a des techniques qui sont complètement fumées qu'on ne Ouais, verra c'est clair. absolument pas. Là, vous voyez aussi, hein, tout le monde se prend des petits dégâts. Hein. Il y a du damage boost hein, dans le jeu. Et vous pouvez voir aussi les petites illusions hein, qui traînent derrière vous. Et ça aussi, c'est un problème quand on meurt, c'est qu'on les perd. C'est quelque chose qu'on accumule. Hein. C'est un pouvoir qui est permanent, mais il ne faut pas mourir, sinon on perd ses illusions. Il faudra les refabriquer. Ça permet de faire beaucoup de dégâts. Brotherman qui est au premier boss, hein, qui Le est premier complètement boss, les gratuit. boss sont Hein, voilà. anecdotiques de Oh toute là, il s'est quand même façon. fait toucher. On a Ouais, perdu un on tout se fait petit peu de toucher temps. une fois, Oui, ils font voilà. tous la même Ouais, route. voilà, c'est la même stratégie, effectivement. Cladol qui a un tout petit peu de retard, mais on ne sait pas si c'est le stream ou si c'est vraiment en termes de Sans doute niveau. le stream. Ouais, je pense que c'est plutôt le stream. Allez, le train à niveau qu'on peut Ouais. faire en maintenant toujours le bouton gauche. Donc normalement, ils vont tous suivre exactement la même chose à la même vitesse. On peut faire donc 218 hein, dans le timer in-game time. Sauf voilà, Naruto Sep qui se fait un peu repousser vers l'arrière. Il faut pas faire Bro est ça. bien, Bro, très bien Divitifa est jusque-là. parfait aussi, ça se passe complètement normal. C'est pas le niveau le plus dur, hein, On pour peut pas l'instant. mourir dans le train, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas Donc de trou, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on meurt plus souvent au trou qu'au point de vie. ben on a Vous une pouvez. grosse barre de vie, hein, donc Voilà, vous regardez pouvez en voir la haut. barre de vie, effectivement. Et juste en dessous, c'est la barre du boss. Elle est toujours affichée, hein, jusqu'à ce que le boss arrive. Attention, les mécaniques du vent. Il faut être prudent. Il faut attendre. Donc, vous voyez, hein, le vent qui peut soit vous pousser, soit vous faire reculer, soit bien ne rien faire. Hein. Le vent, en fait, quand il est tout droit, ça ne change rien. Et il faut donc bien timer ses sauts parce qu'il y a certains sauts qu'on ne pourra faire qu'avec un type de vent, on va dire. Donc le cycle est universel, il se reset à chaque fois qu'on change d'écran. Donc Exactement. Ah. le timing est assez correct à Et apprendre, là, hein, vous c'est allez pas plus hyper voir dur. le parchemin. Regardez chez Devitify, il a récupéré un parchemin, ça l'a mis à 50 de magie. Et Bro qui fait voilà le Ah, très Brothermine, bien. le petit skip, on Le va voir petit ça chez skip. Tifa aussi, la La même petite chose, balle qui voilà, on permet de prend le skipper. dégât. Naotoseb qui n'y arrive pas, donc il va y aller, il va attendre le vent, aucun problème. Et Cladol, il a. Attention, peut-être que ça va passer pour Cladol. Ouais, ah non, Divitifa qui il a pas arrive au boosté, ok. boss, Brother Il le Main fait aussi, pas. normalement avec la bonne arme, voilà, vous allez voir, ça va être complètement gratuit. Ouais, là, ça se passe vraiment très bien hein, Ouais, entre. Tifa c'est bon, Bro c'est bon, Naruto Seb ça devrait suivre. Jusque-là c'est très très Ouais, serré. c'est très serré, c'est très propre, hein, tout le monde nous fait. Ouh, Cladol l'a figé.
J'espère que vous ça va pas pour les drops de Clado. Ouais, ça, on est habitué, hein. Mais voilà. Ouh, Brock s'est pris un premier mythe qui l'a fait reculer. Le niveau dans le noir, c'est donc le niveau 3, c'est le premier niveau difficile. En fait, la courbe de difficulté veut un peu rien dire. Et 1-2, c'est assez facile. On le fait plutôt bien, surtout quand on connaît le boss. 3-4 sont extrêmement difficiles. Après 5-6, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Et alors 7, c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer total, le 7. C'est beaucoup plus dur que tout le reste du jeu, quoi. Oh, attention, bro. Bro, ouais, qui a failli mourir, ouais, qui est devant pour l'instant. Qui est devant, suivi de très près. Très, très près par Tifa, effectivement. Et vous pouvez regarder leur magie. Ils sont tout le temps exactement à la même, magie. C'est très rigolo. C'est la même route. Oh, ça, voilà. Bro, là, qui se plante, par exemple. C'est les jeux de la partition, hein. De toute façon, comme tu le disais, hein, ça ressemble un petit peu à Volgar. C'est les jeux où il y a une façon de passer qui est optimale. Et ensuite, c'est que des backups par rapport à ces échecs, hein. C'est vraiment comme ça, hein. C'est tout à fait ça. Et puis ensuite, il y a plein de routes optimales différentes. Là, ils font tous la même, en gros, qui est safe. Attention. En race, safe en tournoi. Attention, mais, les oiseaux. Les vilains oiseaux. Ouh, Tifa qui meurt. Oh non, deuxième mort aussi. Oui. Alors là, c'est pas grave. Le niveau 3, c'est le niveau le moins punitif. C'est un niveau difficile, mais à la fin, on peut tout récupérer. Donc c'est une mort dont on se fout complètement, qui fait perdre très très peu de temps. Enfin, elle fait perdre du temps quand même. Ici, il y aurait une stratégie qui permettrait de skipper. C'est passé pour Bro. C'est ce qu'a fait Bro. Très bien fait. Mais, il n'a pas eu mais il a regardez, fait tout le tour. Voilà, Tifa, le boss. Alors là, le boss est méga gratuit. Si on se positionne bien, le boss fait n'importe quoi. Il ne sait pas où on est. Le boss, il ne comprend pas. Le boss calcule qui se passe, pas. C'est techniquement, c'est vraiment ça. La NES ne nous calcule pas. Non, si, c'est ça. Si, la NES nous calcule, mais le boss, en fait, il se repose dès qu'on le touche. Oui, bah, il est con. Bah oui, ah, bah, c'est comme ça qu'il ne fonctionne. Tente pas la... Non, il faut qu'il récupère ses illusions. Ah oui, il est mort. Voilà, donc il est mort, et là on va revoir le boss. Donc le boss, dès qu'on le touche, il est invulnérable, mais il se pose et il est invulnérable. Et dès qu'il se lève, on le retouche, donc il se repose et on le stunlock. Il est quand même complètement con. Et c'est un boss complètement con, mais les boss sont pas durs. Le jeu, en fait, si tu prends individuellement chaque truc, rien n'est dur. Parce que les ennemis sont tous un peu cons, ils courent en ligne droite, les oiseaux... la première fois, elle est quand même horrible. Ouais, c'est un jeu du par cœur. Quoi. C'est l'accumulation d'éléments, en fait, qui fout le bordel. Parce que les boss, la première fois, sont très durs aussi. Oui, allez, Bro qui continue, il y a l'invulnérabilité, il faut utiliser le bon timing. C'est bon, il l'a pris, parfaitement maîtrisé, là, pour l'instant, et là, il fait petit une... saut et le boost, c'est parfait pour Bro. Parfait, Bro, je suis très très fier de ce que vient de sortir Bro, parce que c'est pas facile du tout, on en a vu beaucoup échouer. Ici, Devil Tifa aussi qui passe avec l'invulnérabilité. L'invulnérabilité obligatoire, on récupère le parchemin, c'est pas grave, il l'a raté, il l'ignore, il va dropper un deuxième parchemin dans une orbe un peu plus tard. Et pendant ce temps-là, Naruto Seb a dépassé Devil Tifa et Clado est juste trousse derrière eux, donc c'est une race très très serrée pour les 4. C'est très serré. Et... il a raté le skip. Devil Tifa, il faut pas mourir attention, quand même. Hein, parce que, attention. Alors là, il a perdu l'invulnérabilité. Ouais, c'est dommage. Bon, ouais, c'est bon, ça passe. Ça a été et chaud. Bro s'envole. Hein. Bro, Clado, vraiment, il fait une Naruto performance Seb. Exceptionnelle. Bro, pour incroyable. Pour l'instant, il est, je pense qu'il est pas loin d'un PB Pace. Hein, franchement, il a tellement tout réussi que. Aucun problème jusque-là. Ouais. Donc là, faut pas mourir au 4-2. Personne. Oh non, Bro. Bro, non. Non. Oh, c'est la pire erreur. C'est un endroit. Alors, les courants vous entraînent. Et donc il faut toujours un peu temporiser dans ces endroits-là parce que on perd un peu le contrôle de son personnage. Et c'est le stun lock pour Bro parce que il faut vraiment très très bien connaître la backup. C'est le pire endroit pour mourir le 4-2. Et voilà, il va se faire dépasser par tout le monde. Tout le monde va le dépasser effectivement. Il est obligé de faire des backups. Ça va être très long pour récupérer tout. Le début du 5 risque d'être difficile. Il faut c'est compliqué maintenant et c'est vraiment dommage. Il le sait. Parce que et c'est là, le il niveau difficile. Ah, il le sait. Ouais, il sait que c'est. Oh là là, c'est tellement dommage. Pour erreur de quelques pixels c'est vraiment ce jeu de l'injustice quoi. Alors Naruto qui arrivait avec la bonne arme, c'est très très difficile d'arriver là, mais là par contre il va vaporiser le boss encore plus vite que les autres. Ah non, il fait pas, il joue doucement, d'accord. Tifa, il a la bonne arme mais il a peur. Tifa qui finit le boss. Et allez, Bro qui arrive. Bro pareil, Bro la bonne arme. Alors s'il connaît, normalement il faut descendre, il faut se laisser tomber, il faut bourrer. Il fait une strat safe ici, mais il suffit de se mettre en bas et... c'est bon, c'est quand même assez rapide. Donc il a pas perdu de temps tant que ça, ouais, attention il s'en est très très bien sorti. Et oh, s'en est vachement bien sorti. Naruto Seb s'est planté au 5-1, il a pas l'invulnérabilité, donc là il faut qu'il invente un truc, Naruto. C'est compliqué. Regardez Bro, Bro va essayer de récupérer une invulnérabilité, donc on positionne bien son illusion et on lance et on récupère l'illusion en l'air. C'est magnifique. Il faut pas le rater, c'est la seule difficulté du niveau 5. Attention, petit skip par-dessus, voilà. Et Cladol fait la backup pour récupérer l'invulnérabilité, ça s'est très bien passé. Bro
Goro qui est de retour. Oh là là, attention à ce petit passage. Récupération de la vulnérabilité, elle est activée. On la passe tranquille. On récupère le parchemin. Le petit boost, est-ce qu'il va essayer? Non, non, il le tente pas. Il joue safe. Il a raison. Il a raison, qu'il s'est fait un petit peu peur en plus. Il faut se remettre en confiance. Ça fait même pas deux minutes là qu'il a eu son petit fail. Oh, et Devil Tifa est mort au début du 5-1. Alors qu'il restait pas mal de vie. Et Bro le dépasse. Et parce Bro que là, dépasse, l'avantage le retour de Bro premier. Et Bro qui a l'invulnérabilité. La lucidité de Bro pour ce retour après sa misère du 4-2. Mais il s'en est très bien sorti. J'ai l'impression qu'il a changé de comportement en termes de Bah, il jouait PB Pace et maintenant il joue tournoi. Voilà. Et c'est vachement intelligent. Mais ils sont tous les quatre. C'est marrant, ils ont quatre façons de jouer différentes. Ouais. Cladol joue très safe. Naruto fait beaucoup d'erreurs, mais bourre. Ouais, un peu comme Bro en fait. Ouais, et Devil Tifa a fait beaucoup d'erreurs. Mais se remet mieux de ses échecs qu'avant. Ouais, c'est vrai, bah, ils sont beaucoup entraînés en Orisette en fait, se voit. Mais regardez, Naruto Seb est encore mort ici, donc il reforme pour des illusions et ça devient assez coûteux pour lui. C'est pas grave, il est bien maintenant, il peut y aller, il va et récupérer qui arrive au boss. La bonne magie. Ça devrait bien se passer, on a la bonne magie, voilà. Ouais, le boss est gratos avec la bonne magie, alors que c'est un boss horrible. Il est horriblement difficile. Sans magie, il est horrible. Ah, là c'est aucun problème. Mais surtout, parce qu'il a beaucoup de points de vie, on peut pas le toucher souvent, mais avec cette magie là, c'est juste complètement gratos. Avec l'Adol qui va le 6-5 est complètement gratuit. Le niveau des vacances, le niveau où on récupère. Ouais, le niveau 6, il est pas dur. Regardez Devil Tifa qui on bourre. En fait, là, au début du niveau 6, c'est facile. La technique, c'est vous maintenez à droite, vous prenez plein de hits, mais avec les frames d'invulnérabilité, ça va passer. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et Cladol en fait, c'est vraiment la meilleure méthode à faire. Il y a pas de, faut pas essayer de tuer tout le monde. C'est la strat. Ouais, c'est la strat de Jimmy. La strat de Duckfist perd moins de vie et plus safe sur la suite. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal d'écoles sur ce niveau. Ça fait partie des niveaux. En fait, plus il est facile, le niveau, plus il y a de façons de passer. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'école. Et Tifa, il est derrière Cladol. Mais Tifa, il joue hyper safe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est remort ou quoi? Non, il s'est pris des coups, effectivement, je crois. Mais si, regarde, il a plus d'illusion. Ah oui, il est mort. Donc il a dû remourir. Il est mort aussi ça? Bah, je sais. Il j'ai a pas dû vu arriver au 6-2, donc je pense qu'il est mort aussi ça. Oh, Brock, qui meurt aussi. Alors, la mort au 6-2, c'est pas grave. C'est pas la pire récupérer, des morts. Mais il se fait ça veut dire que Cladol va dépasser. Cladol va le dépasser. Premier, Naruto si Cladol ne derrière. Meurt pas. Mais comment il a fait pour mourir au 6-2? Bah, en fait, il a fait la strat agressive. Il nous a pas écouté. Il a fait la strat où on récupère pas l'invulnérabilité. Ouais, et on y va à fond parce que Il a récupéré l'invulnérabilité et il y va pas n'importe comment. Et Cladol, non, Cladol, c'est bon ça. Cladol, il a bon. Et ils sont tous les trois synchro, regardez. Tous les trois au boss. Incroyable. Allez, oh là là, c'est très... Et c'est dire que c'est le niveau 7 qui va les départager. Ça, c'est infernal. Ça, c'est infernal. Et Naruto Seb, avec un bon Ninja niveau Gaiden 7, peut les dépasser. Toujours magnifique. Ninja Gaiden, c'est toujours magnifique. Le 7-1 pour tout le monde. Allez, c'est parti. Il va falloir être sérieux. Tifa, il joue très lentement. Je sais pas ce qu'il a, mais il joue beaucoup plus lentement que d'habitude. Alors là, faut marquer une micro-pause. Ok, il a réussi. Tifa, ça l'a surpris même. Ouais, alors que Cladol raté. Galère. Bro galère aussi beaucoup. Et donc, Tifa prend l'avantage juste devant, sur cette petite section. Voilà, c'est une toute petite section. Et puis, c'est pas fini. Il y a le 7-2 derrière. Ouais, mais c'est. En fait, là, Tifa a beaucoup d'avantages parce qu'il a perdu que 2 points de vie sur ce passage. Effectivement. Oh, un troisième. Ah non, là, il s'est planté. D'accord. Et Bro n'a 3 aussi. Oh là là, mais que fait Tifa? Oh là 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 là. Et voilà, Bro prend l'avantage. Mais c'est Cladol qui passe premier. Naruto Seb va les rattraper. Oh là là, c'est n'importe alors quoi. Alors là, c'est normal, race. On récupère le shuriken, mais on va récupérer la bonne magie juste après. Voilà, il faut pas oublier. Oh, attention, bro. Et Tifa est mort. Tifa, c'est pas grave, il faut bourrer. Mais c'est Cladol qui est premier. Ouais, c'est Cladol qui est premier de pas Cladol beaucoup. Cladol premier, bro juste deuxième, Naruto Seb troisième et Tifa quatrième. Tifa, je sais pas ce qui s'est je passé. Je sais pas, effectivement. Mais Cladol arrive au 7-2. La peur, et peut-être, il a assez de vie. Peut-être l'envie d'assurer aussi pour Tifa. Hein. Allez, c'est vrai qu'il est bon, bien Cladol. Devant. Et puis il est peut-être pas à l'aise Cladol, aujourd'hui bon. sur ce Ninja Gaiden. Ah, c'est passé pour Cladol, le skip pour Bro, parfait. Niveau 7-2, parfait pour l'instant. Bro, il n'a pas beaucoup de vie, fais attention. Ouais. Mais attention, Cladol va arriver premier. Cladol qui avait peur de Ninja Gaiden. Ouais, Cladol qui avait peur de Ninja Gaiden. Et là, en fait, il faut pas. S'il meurt pas jusqu'au boss, le boss il est gratos. Cladol il a que 90 de magie. Oui, il a oublié un parchemin. Il a oublié un parchemin et ça s'est passé. Non, c'est pas très grave, mais c'est gênant pour le boss en fait. Si tu connais pas, il faut pas miss-click et lancer une magie. Bro repasse devant. Bro il se fait enchaîner. Attention aux oiseaux. Attention les oiseaux. Allez, on est bien. La petite strat ici. Il a 7 PV, ça devrait bien se passer. Il y a aucun problème. Il va arriver au boss. Naruto 4ème. Cladol est bien. Bro.
Clado les bros à la dernière salle. Clado, allez, pas avec assez de magie. Là, il suffit de sauter le petit damage boost. Non, Clado, le squelette, mais il a assez oh de là là là. Il, peut, il faut utiliser sa magie. Devant. Voilà, là, c'est bon. C'est parti. On y va. On le boss pour bro. Le boss pour bro. 94 de magie, ouais, c'est suffisant. Là, il est bon, avec bro, mais il faut bon, connaître bro. Parce qu'il a, pas beaucoup de magie, donc faut pas mourir quand même. Clado, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est suicidé. Mais Clado, ah oui, il est mort à la fin de cette 2, donc il se suicide. Et c'est dommage parce qu'il aurait dû arriver premier. Ah là là, c'est dommage. Il aurait dû arriver premier, effectivement. Et donc là, il est en fait il suicide en boucle, et c'est normal. Tifa revient. Deuxième phase du boss pour Bro, ça devrait être complètement gratuit avec sa magie. Attention, les PV, il a 5 PV, c'est pas beaucoup. Ouais, 5 mais PV, ça mais peut c'est suffire. Bon parce qu'il peut faire le dégât critique. Il a 14, et Tifa arrive au boss. Voilà, il a 14 de magie, ça devrait bien se passer. Donc là, on saute, on donne un coup, on donne voilà, deux coups bon. Et ça fait le dégât allez, critique. Allez, bro, et il allez, suffit bro. De taper maintenant. Voilà, bro, il suffit de taper un tout petit peu d'érudit. Attention quand même. Attention quand même. Attention, 3 points de vie, c'est la course. Non, c'est bon, il a c'est bon, c'est passé pour Bro. Et c'est premier pour Bro. Bro, premier, quel race. Oh, et Naruto Seb. Naruto Seb juste derrière. Tifa au boss. 12,56, c'est il un a très plein bon temps pour PV. Bro. Cute Shadow, Cute Shadow boss. Au boss aussi. Naruto Seb. Naruto Seb. Alors on va regarder oh la fin. LF au niveau 6. Cute Shadow juste au même temps que Naruto oh là, Seb. Vin Kaiser, ça Vin se passe Kaiser, pas. Vin vraiment très tard. Et Zigwigwi un peu en retard aussi. Zigwigwi 7-2. Ouais, ça va encore. Alors que Devil Tifa est en train de terminer. Ça devrait bien se passer. Attention, il a plein de PV. Ah, il est ouais, bon. Ouais, c'est ouais. Bon, c'est bon. C'est gagné pour Devil Tifa. Naruto parfait. Seb. Ça se joue entre Naruto Seb et oh Cute Shadow. Là. Qui se battent, rappelons-le, pour la 3ème et 4ème place. Naruto mais... Seb. Ah, Cute Shadow un peu d'avance. Naruto Seb, de ça devrait bien ouais, finir. C'est fini pour Cute Shadow. Naruto Seb juste derrière juste quelques derrière secondes. De quelques, allez, ouais. Il suffit de bourrer Naruto un Seb pouillem. Parce que de toute façon t'as plein de vie. Surtout allez, c'est que ça va leur faire point 2 à 3 points d'écart entre Cute Shadow et Naruto Seb. Ça va alors être il s'est passé quoi hyper premier léger. Bro 12,56, deuxième Tifa 13,20, troisième Cute Shadow 13,32, quatrième Naruto 13,42. Cute Shadow, notons-le, est mort 13, hein. Au 1-1. Cute Shadow, il en revient pas, je crois. Et Clado, c'est dramatique. Ah, parce c'est qu'il aurait tellement dû dommage. Gagner. Il aurait pu faire 12,50 et il se retrouve à finir à 14,30. Quoi. C'est ah, vraiment. Clado, plus de vie, on va voir, plus de magie, on va voir plus ce qu'il magie. Alors, est-ce qu'il va pouvoir. Ah, ça va. Il va pas pouvoir aller très vite, surtout. Il a beaucoup de PV, donc je bah, pense ouais, que ça, en il fait, peut s'en alors, sortir. Alors, la technique, c'est juste de se baisser. Là, on fait un petit saut, voilà. Il y avait deux il trucs connaît, pour le il bourre. Connaît, il connaît. Le boss a 30 points de vie, 15 points de vie sur sa tête, 15 points de vie sur le cœur, et ensuite on bourre. Voilà. Il a plein de vie, il on a se plein positionne, de vie, ça devrait on pas y va. Être problématique. Allez. Allez, il suffit de le faire. Il avait vraiment peur, et puis il va faire moins de 15 minutes. Il va faire moins de 15 minutes, je pense que ça va déjà le satisfaire, effectivement. Allez, on va pouvoir regarder les backups. On vous, on a bon, non, la il est fin. Déjà lancé 2. Ah mais bah, il s'entraîne, il a raison. Il n'y a pas de direct, pas de il a pas temps à perdre. Zigwigwi que 90 de magie aussi. Zigwigwi qui avait la mauvaise magie et qui invente un ah truc là. Là. Et ça, regardez bien. Dès qu'on vous, on vous le dit, on vous ment pas. Hein. Si jamais vous arrivez pas avec le bon setup au boss, c'est l'infini. Alors s'il tue ce boss-là et qu'il meurt, il sera mort pour quand il va revenir. Donc c'est déjà ça. Alors est-ce que c'est vrai quand on fait un game over? Parce que je sais que c'est vrai quand on fait un continu, mais très bonne quand... question. Je ne sais pas. Je ne sais pas donc non normalement, ça devrait bien passer. Je crois se passer. Pas. Hein. Je crois qu'il va revenir s'il fait un game over. Hein. Ah, c'est possible. Je ne sais pas du tout. C'est une vraie question honnête. Ça m'est jamais arrivé. Mais donc là, Zigoubou, il va mourir. Hein. Donc on peut pas battre ce boss comme non. Ça. C'est voilà. C'est... Regardez bien. Vous voyez. Hein. Il fait des efforts, hein, mais il essaye, c'est trop dur. Non, mais il joue le jeu. Il mais pourrait se suicider. Très bien. Il pourrait lancer une roquette et accéder à la mort. Allez, Zigoubou, il faut y aller. Il peut encore battre les autres. Vinkaiser qui fait une belle remontée. Parce qu'il était ouais, très loin derrière, il arrive loin, au 7-1. Effectivement, et LF qui devrait terminer bientôt. C'est vrai il, aussi si tu fais un game over de Tifa, donc c'est bon, il est sûr d'avoir plus le truc. Donc, Zigwigwi, au début mais du boss... Mais Tifa, il est jamais mort, il a jamais eu de game over dans le jeu. Mais si. Tout le monde a eu un game over. Tout le monde a vécu le game over, de, je pense, beaucoup de fois de Ninja Gaiden 2. Donc, Zigwigwi a tout récupéré, mais il a pas assez de magie. Je comprends pas cette erreur des 90 de magie. Regardez LF, regardez Vinkaiser. Ouais, tout le monde est à 100, c'est, hein, c'est la règle. C'est normal. Attention, la phase des trois oiseaux pour LF et qui meurt. Voilà, les trois oiseaux. C'est la phase difficile, hein, tout le monde la déteste. Cute Shadow qui démarre. Cute Shadow qui s'en sort du mince. Non mais là, il faut... C'est le jeu du stress et c'est le jeu des enchaînements. Il faut qu'il et se chauffe doit, le bois. Ouais. Alors, Vinkaiser qui arrive à la fin. LF qui joue très très safe. LF qui... c'est le nouveau backup master un petit peu. Ouais, là, là, là. Puis oh, là, il a raté un petit peu la... Voilà, ouais. Non, il est bien. Il a plein de vie.
Il va falloir récupérer de la magie. Là, il y a un, voilà, ah, un très bon, très bon tir réflexe sur le petit oiseau qui est lui foncé et dessus. Et Zigouigoui qui arrive au boss. Et ouais, là, c'est gagné pour Zigouigoui parce que là maintenant c'est complètement allez, gratos. Allez, la magie. Ah, voilà, oui, on n'oublie pas d'attaquer quand même. Si tu n'attaques pas, ça ne marche pas. Il a quand même réussi à perdre 8 points de vie mais sur cette phase de boss. Ça l'a un peu surpris. Il arrive avec trop de magie, il ne savait plus ce qu'il fallait faire. Allez, mais là, il n'utilise pas sa magie, je ne comprends pas. Voilà, là, c'est bon. Allez, c'est réglé normalement, ça devrait bien se passer. 6 points de vie, ça devrait suffire. Allez, on évite. Il utilise toute sa magie, c'est voilà, cool. Il a raison. Et voilà, c'est fini pour Zigouigoui. C'est pas. Et ben, allez, c'était Vigazer, chaud. Allez, LF peut le faire. Il lui reste 50 de magie. C'est pas mal. C'est pas fou, suffira, mais c'est pas mal. Ça suffit, ouais. Normalement, il faut... Il peut passer. Alors que Cute Shadow a déjà pris pas mal d'avance dans Gremlins. Évidemment, les trainings, n'y prêtez pas attention pour l'instant. Vinkazer va arriver à la fin du 7-2, il va juste arriver au boss. Donc la fin, c'est ici que Cladol était mort, projeté du mauvais côté par le squelette. C'était vraiment pas de chance pour Cladol. Qu'est-ce que tu fais, LF? Il est temps, là? Allez. Bah, LF, il, voilà, il, ça y est, ça, il a pas l'air enfin de connaître la backup. Il connaît pas la backup, oh là 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 là. Et alors, 5 PV pour LF. La strat là, c'est vraiment de mettre les trucs. Voilà, c'est bon. Alors, 4 PV, c'est chaud. Non, c'est tranquille. Il faut juste éviter de faire des droits à gauche. Oui. Moi, j'ai déjà vu des gens mourir. Ça joue agressif. Allez, non. 1 PV. Voilà, c'était tendu. La petite goutte de sueur sur le front. Bah, ils vont tous finir. Il y a personne qui va faire une complétion aujourd'hui, quoi. C'est dingue. Bon, Gremlins et Spelunky ne sont pas arrivés, mais je veux pas le jinxer, mais... Attention, Vinkazer quand même. Là, il faut utiliser sa magie. Là, il faut attention, tu as 2 points de vie, c'est pas beaucoup. Non, oh là là, ça passe pas. Il fallait. Oh là là, et c'est mort. Ouais, c'est pas grave, il reste 3 minutes pour finir. Pour le terminer, c'est quand même la punition là pour Vinkazer. Mm-hmm. Hein. Le 0 de vital, effectivement. C'est pas grave, c'est pas le grave. PV. Là, il se suicide. Ah oui, il se suicide pour récupérer du Nimpo, du en fait. Parce que là, il a plus que 4, 4 de magie. 4 de Nimpo, donc il peut pas récupérer son full Nimpo parce qu'il faut un shuriken dessus. Et Vinkazer décide de ne plus streamer. Un petit crash. Ouais. Bon, bah écoutez, on va attendre. Hein. C'était le dernier en cours, de toute façon, tout le monde a terminé. Ouais, on va pouvoir... C'est pas grave, il finit son run, ne vous inquiétez pas. Et LF a dû vraiment se faire peur, en tout cas. Hein. Parce qu'il est encore dans le truc. Il est encore dans le mumble, il a pas crashé, c'est juste le stream, je pense, qui a des difficultés. On va repasser sur nous. Ouais, on va revenir. Ah, petit refresh pour voir. Est-ce que Prosper arrive à reset rapidement le stream de Vinkazer? Il faut invoquer les dieux du stream, les dieux de la connexion internet. Ah, non, bon, pas apparemment Vinkazer a crash. Petit problème de stream, probablement. Et Vinkazer, ah, en fait 200 points. Crash, en fait. D'accord, oui, il est parti de Mumble. Il a dû avoir un problème technique. Toute sa connexion internet qui nous a abandonnés. Mm-hmm. Bah, il a quand même splitté, il pourra nous donner son temps. De toute façon, on aura son temps, ça, c'est pas grave. C'est parce que Nordic a crashé, par contre. Ouais, c'est ça, mais il allait faire 19 ou 20 minutes. Ouais, je pense qu'il aurait été chaud, hein. Quoi qu'il en soit, effectivement, race de folie. Enfin, c'était dingue, c'était tellement proche, ils ont pas arrêté de s'échanger des places, c'était complètement fou. J'y ai cru pour Bro, après j'y ai cru pour Cladol. Ah, Cladol, c'est vraiment dommage. Ouais. Bah, Bro, c'était vraiment Bro, une ça a été terrible. Hein. Bro, ça a été terrible. Il aurait pu faire un temps de malade, Bro, hein, parce que si on enlève la minute qu'il a perdue, il était quand même dans du sub 12. Ouais, et ça, sub 12 en live, ça arrivera. Ça aurait été magnifique. Hein. Ça aurait été magnifique. Ouais, c'est clair, c'était fou. Alors, je regardais justement les scores, si on jette un petit tas de tableau, nous, sur notre objectif de 1865. Ninja Gaiden 2, on avait mis 175. Et ce qu'on remarque, c'est que là, les gens, ils ont fait une perf... au-dessus encore. Mieux. En fait, je me suis basé sur ce qu'ils avaient fait lors des décathlons en entraînement. Et Ninja Gaiden 2, c'était l'hécatombe. Et là, ils sont quasiment tous au-dessus, en dehors des lèvres, tous au-dessus quasiment de la projection. Ce qui fait que le 1515, maintenant, ils sont 4 au-dessus des 1515. Mm-hmm. Moi, je trouve que ça met la barre très haut pour demain, techniquement. Ah ouais, c'est complètement fou, la pression que ça fout pour demain. Attends, est-ce que David Tiffa rentre dans les mémorables? À 1570. On va regarder donc qualification. 1570, il est mémorable. Performance c'est mémorable. Mais ça va être difficile parce qu'il faut faire 185 sur Gremlins et 180 sur Spelunky pour se maintenir au niveau des 1935. Et c'est là qu'on voit que même, enfin, Tifa, il a fait des 1950, des 1960 sur les 10 jeux à la suite. Et le début de ce décathlon a été un petit peu difficile quand même. Mais il arrive à remonter quand même.
tellement stable, hein, tellement stable. Il y a quand même beaucoup de jaune et de bleu, hein, de blanche et bah, ouais, sur la ligne de Devil Tifa. Beaucoup de podiums sur la ligne de Devil Tifa. Tifa, 5 premières places, 3 secondes places. Mais Bro, hein, qui monte en puissance aussi, ouais. Hein, parce qu'il a fait quand même 2 premières places sur 3 jeux là. Hein. Et il a 1 point de retard sur Doom 2. Hein. Donc il gratte Devil Tifa. Hein. En tout cas, s'approche. Il est sur la ligne de la qualification assurée qui était à 1540, donc c'est bien. C'est bien. Et la qualification probable était à 1515 pour l'instant. Oh, et là, on a niveau, au moins 2 joueurs au-dessus de ça. Mais c'est ouf, on verra. Ouais, complètement. Il nous manque encore des jeux, parce que ça se trouve, ce sera le jeu de l'accident, ce sera Gremlins 2. Gremlins 2, le jeu de l'accident. Non, mais je ne souhaite pas. Hein. Ah, non, évidemment, non. Personne ne souhaite ça à chacun. C'est, parce que c'est clair, ce sera psychologiquement très difficile. Je crois que Gremlins 2, ils vont beaucoup vont jouer assez safe avec des backups en prenant plein de shops, je pense. C'est ce que. Devil Tifa, je suppose. Il n'a aucune raison de prendre des risques. Bro nous a montré de la violence, hein, donc je pense qu'il il va jouer comme d'habitude, même si là il est tellement bien que je lui conseillerais quand même d'essayer d'assurer, quitte à ne faire que, je dirais, 175 points. Quoi. Mm-hmm. Sur Gremlins 2. Est-ce qu'il a vraiment besoin de récupérer des points maintenant ? Non, mais en speedrun, on joue comme on joue. C'est ça le problème, c'est qu'il peut pas dire je vais jouer safe. Hein, il sait non. jouer d'une certaine manière. Si d'un coup il se dit ah vas-y, je vais m'arrêter là pour tuer ces chauves-souris, il y a une chance sur deux que. Ah, non, mais ça, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est de connaître une. Bah, il va prendre les shops. Ils ont tous une route très très safe en reste, de toute façon. Ouais, donc, c'est beaucoup de shops. Grey Fox, il a fini une fois avec 4 peluches à la fin. Non, mais enfin voilà, en race, ils font tous des strats qui considèrent. Mais c'est un jeu qui fait safe. Peur aussi. Hein. Ah oui, mais par contre, c'est un jeu qui fait peur. Je sais pas, je vais peut-être vous laisser. Ouais, on ça, en est où? Parce que vous allez vous attaquer à Gremlins 2. Ah, Gremlins 2, hein. 2 Gremlins ensuite. 2, hein. On le commente ensemble. Il y aura Dorian qui viendra du coup pour Spelunky. Ouais. Et puis, ben, en tout cas, merci beaucoup du coup, Rémi. Ah ben moi, toujours un plaisir. Surtout quand il y a Ninja Gaiden 2 et Doom 2. Et, les jeux du bonheur, quoi. Les jeux de la race, de la folie, quoi. Ah, c'est vrai que c'était très serré. Hein. Ah, mais Ninja Gaiden, on n'est jamais déçu. De toute façon, on n'est jamais déçu. Ouais, bah, surtout que le niveau a considérablement augmenté. C'est incroyable, c'est incroyable. Et bah, en tout cas, on te retrouvera. Alors, tu n'es pas là demain, mais on te retrouvera non. Par contre dans 2 semaines à l'ultime finale. Ah, bah oui, forcément. Ah, bah, ça va être bien. Ah, oui, bah, il paraît. Hein. Au moins, on m'a dit qu'il fallait devoir organiser des marathons pour faire venir les gens et tout. Ça, c'est si Moliman gagne. Si Moliman se qualifie, effectivement, il va falloir lui trouver un radeau et une bouée pour pouvoir traverser l'océan Atlantique et qui est un peu froid. À cette époque de l'année. Non, ça va. Mais bon, ça, voilà. J'en ai parlé à des gens. Donc des bisous au chat aussi. Je passe un coucou au Namek d'ailleurs que j'ai vu traîner parce que je l'aime bien. Spécial dédicace. Ta famille. Voilà, toute ta famille. Il n'y a aucun problème. Je fais un bisou à ma maman si elle me regarde. Je sais que c'est pas le cas. bonne chance à tous. Et puis moi, je dis que Brother Main pourrait gagner. Pourrait faire premier. Voilà. Ah, premier, c'est-à-dire deuxième. Non. Premier. Ah non, vraiment premier. Ouais, bah il est sur la courbe montante et Devil Tifa descend. Moi je dis ça, ils vont se croiser à un moment. Sur ouais, un bon Spelunky et un mauvais Spelunky. Ils vont se croiser à un moment. Voilà, allez, à plus. À plus. Alors quoi qu'il en soit, nous on va on va speedrunner de l'extrême, il fait des glitches dans la maison. Donc, je disais, on va se regarder le petit clip de Gremlins 2. Et Ouh, j'ai touché à ma caméra. Oui, c'est bon, c'est que j'avais du verre qui apparaissait. On va se regarder le petit clip de Gremlins 2. Et pendant ce temps-là, on va aller chercher quelques runners. Parce que du coup, on les a tous interviewés. Mais on pourrait prendre, on est large niveau de temps pour sonder un petit peu juste avant les deux épreuves. Qu'on ait un petit mot peut-être. Ce serait peut-être intéressant d'avoir surtout. Cute Shadow Naruto Seb. Cute Shadow Naruto Seb, ouais. Même Bro, en fait, avoir un mot des trois là, parce que c'est les plus. Tifa est trop premier, Cladon le semble un peu trop derrière. Tifa est trop premier. Bah non, je veux dire, il est safe. Oui, bien sûr. Normalement. Alors, on a un petit problème de Vinkazer qui a perdu Internet, effectivement, donc il a fini sa run, il va pouvoir nous donner son temps. Si son Internet revient pas avant qu'on doive démarrer la race de Gremlins 2, il fera Gremlins 2 et Spelunky demain soir, en même temps que les autres. C'est ça, voilà, exactement. Pour que ce soit dit, donc... Enfin, je vais aller chercher Brother Main Naruto Seb et Cute Shadow pour avoir... Et nous, on se lance le petit clip. Voilà, à tout de suite. Ah oui, le petit clip.
Ultime décathlon, grande finale, il reste plus que deux épreuves et là on va prendre un petit peu on va prendre la température. Nous avons avec nous Cult Shadow, Naruto Seb et Brotherman du coup qui sont du coup largement qualifiables, mais c'était pour voir un petit peu quelle était la pression, la tension. L'humeur est à la machine de manette. ça s'entraîne, c'est bien logique. Alors on va commencer par Bro du coup. Bro, avec ses 1544 points, est-ce que tu te sens plutôt confiant avant ces deux épreuves qui arrivent, il y a le premier jeu que t'aimes pas trop et le second qui t'inquiète un peu, mais est-ce que 1544 points, tu te sens bien ? Ouais, je suis plutôt content pour l'instant. J'ai réussi à faire ce que je voulais sur Doom 2 et même Bus, donc c'est cool. Et Ninja Gaiden 2, c'est bien passé. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mais bon, c'est là que les rêves meurent. Hein. C'est Gremlins 2, c'est un peu la fin. Ok, et eh ben en tout cas pour l'instant, si tu maintenais cette performance, tu serais largement qualifiable. Même si on a 8 inconnus, ça, il y a des chances que ça suffise largement. Alors maintenant la question pareil, Naruto Seb, du coup t'es à 1529 pour l'instant. Tu te sens plutôt bien ? Je dirais même carrément parce que il suffit de voir mon Doom quoi, 5 minutes de PB, j'ai pas compris, tout est passé. Je suis passé de, en fait je visais les 200 points, je fais 212. Je pense que même dans mes meilleurs rêves, j'aurais jamais espéré ça. C'est presque le Doom de la qualif, parce qu'on peut presque, enfin je veux dire, après il peut y avoir des accidents sur les jeux qui restent, mais c'est 12 points, c'est beaucoup quand même. Je m'étais fait un petit pronostic, j'avais fait des petites moyennes comme ça sur chaque jeu, je me suis fixé des objectifs, par exemple DuckTales 200 points, etc. Et Doom j'avais mis 200. Et donc là, 212 points, c'est vrai que c'est assez violent. Ninja Gaiden, je suis un peu déçu parce que j'ai fait quelques petites bêtises quand même qui m'ont coûté une minute. Est-ce que ça va jouer à la fin? J'espère pas, mais Gremlins et Spelunky, je suis plutôt confiant. Enfin, surtout pour Gremlins où ça en race, ça va. Spelunky, tout peut arriver, donc on verra. Donc on verra. Alors Cute Shadow, même question, du coup pour l'instant 1524 points, c'est au-dessus de la barre théorique qu'on avait mis des 1865, donc plutôt bien. Est-ce que le facteur confiance est là? Est-ce que tu te sens en bonne posture pour te qualifier à l'ultime finale, ou le fait qu'il y ait des inconnus encore, les 8 runners de demain, ça te stresse ou ça te... Ouais, je me sens plutôt bien par rapport à mes perfs parce que j'ai fait PB sur Towerfall, PB de 2 minutes je pense sur Doom. D'ailleurs j'étais assez content d'avoir passé le premier cycle, c'était la première fois que je le faisais je crois, en tout cas en run. Mais Naruto il casse un peu mes espoirs et Brotherman aussi, parce que dès que je me fais j'ai gratté un petit peu quelques points là, normalement j'ai fait un PB machin, et puis on voit qu'ils sont eux, ils ont fait soit mieux soit très proche, donc c'est vachement serré. Alors je suis content de moi, mais pour la grande finale je suis pas confiant du tout, parce que j'ai l'impression que quel que soit le temps que je fais, ils sont toujours devant ou vraiment pas loin quoi. Naruto je vais gratter deux mains en deux jeux. Ah, mais de toute façon c'est tendu. Personne ne dérisque, le niveau est ouf, ce qu'on disait avec Twin c'est juste hallucinant, c'est à dire que franchement si vous faites mentir notre barre et que la barre pour se qualifier est encore plus haut, ce serait pour les spectateurs extraordinaire, mais ça serait surtout demain qu'on verrait la différence du coup, parce que là aujourd'hui si on est les 4 premiers il n'y aura pas de surprise, mais demain ça va changer quoi. Oui c'est tout à fait possible. Il se peut qu'aujourd'hui on soit tous de très bonne forme et qu'on fasse vraiment de très bonnes perfs, et dans ce cas on est qualifié, mais il se peut aussi que les autres ils vont faire pareil et que du coup on va se faire mentir. De toute façon avec Millet qui arrive, à mon avis on pourra pas rester tous les 4 en tant qualifié, ça va être dur. Ne serait-ce que Millet, déjà, c'est... Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais... Ouais, bah c'est fou, hein. c'est un truc de malade. En tout cas, je vous souhaite vraiment bonne chance. De toute façon, on va se recroiser, parce que c'est pareil, avant Spelunky, on fera une petite synthèse, et puis à la toute fin du stream, je pense qu'on aura le temps pour prendre un petit peu la température, voir un petit peu comment s'est passé globalement votre décathlon, surtout pour ceux pour qui la qualification pourrait sembler compromise, surtout à partir de la 5e place ou à l'issue d'une journée, par exemple. Pour l'instant, vous en êtes pas ces questions-là, on vous laisse vous concentrer sur les jeux. Peut-être que Twin a une autre question juste avant que vous retourniez. J'attends de voir ce qui va se passer sur Gremlins. Moi, je vous souhaite en tout cas de foutre la pression à Millet. Même si apparemment, il y a mais bon courage pour ces deux derniers jeux qui, je le sais, foutent un peu la pression.
Bah merci. C'est quand même mieux de l'avoir à la fin qu'au début, parce qu'avec le stress qu'on a au début, là, à force de faire les jeux, je trouve que le stress il descend un peu. Ouais, bah moi c'est pareil. Voilà, j'ai... D'accord. Moi, non, moi je suis spécialiste. Ben, ça dépend, ouais, c'est... Ça dépend. Non, mais moi, vu le tournoi que j'ai fait, je peux pas faire mieux, je peux pas espérer mieux. Donc si on me dépasse, bah tant pis, mais franchement, tout ce que je fais là, c'est... Enfin, pour moi, c'est quasiment parfait. Il y a juste un ou deux jeux que j'ai fait quelques erreurs, mais la plupart des jeux, j'ai tellement bien joué que je peux pas espérer mieux, franchement. Ouais, ouais. En tous les cas, t'es content de ce que t'as fait, quoi. Ah oui, je suis très content. Ouais, moi, c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu... Sauf Dead Core, mais j'aime pas terrible, mais bon. Enfin, bah, c'est l'essentiel que vous sortiez content à la fois de la saison et du tournoi, c'est cool. En tout cas, il y a un beau spectacle pour l'instant, donc c'est cool. Et ben, bonne chance pour Gremlins 2. Merci. Alors Gremlins 2, du coup, on vous a montré quelques rudiments. Alors Twin, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui était quand même assez peu connu avant que quelques runners le remettent un petit peu sur le devant de la scène, et qu'aussi, pendant le Decathlon, a été une occasion aussi de le remettre un petit peu sur le devant de la scène. Donc ce Gremlins 2 NES. Bah, c'est difficile à décrire, c'est un jeu vu du dessus, un jeu de plateforme action avec un bouton pour lancer des projectiles et un bouton pour sauter, et puis on se déplace donc dans quatre directions, hein, avant, arrière, droite, gauche, et beaucoup beaucoup de diagonales, vous allez voir ça. On joue Gizmo et le jeu est très suit très très bien l'histoire du film. Donc il y a cinq actes qui reprennent à peu près le déroulement du jeu, et tout au long du jeu Gizmo se fabrique une arme améliorée, un arc qui lance des flèches enflammées, et donc les projectiles de Gizmo évoluent naturellement, et le gameplay évolue un petit peu aussi avec. Donc au début on a une arme toute nulle, et puis ensuite on a une arme super performante, et puis à la fin on a une arme qui explose, et ça change beaucoup les façons de jouer. C'est un jeu qui est très dense en ennemis et en pièges à éviter, et les comportements des ennemis sont tous random, et je tiens à signaler, j'ai fait plein de tests, et j'ai regardé les submissions sur TAS vidéo, les comportements des chauves-souris sont totalement, totalement aléatoires et totalement décorrélés de la position de Gizmo. Donc les joueurs qui disent « j'ai l'impression que les chauves-souris me viennent dessus », c'est faux, c'est complètement random en fait. Et donc, random pathfinding, quoi. Non, c'est vraiment, tous les tics, ça donne une direction aléatoire parmi les 8 directions possibles. Donc, et c'est ça qu'il faut gérer tout au long du speedrun, c'est savoir, il y a des sauts qui sont safe, parce qu'en fait, quand on fait popper une chauve-souris, eh ben, on sait qu'au bout de 2 tics, on va arriver là, et quelle que soit la RNG, elle ne va pas pouvoir être sur le chemin. Mais de temps en temps, on a une chance sur 8 de se faire avoir, ou une chance sur 16, etc. Et donc, c'est ça que les runners ont appris à maîtriser, et ils vont nous montrer ça. C'est un run qui dure 7 minutes 44, le record du monde. Il était à 8 minutes 40 par mes caractères avant qu'on commence. Donc, l'étalon est à 9 minutes pour les 200 points, 18 minutes pour les 100 points. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu, je pense que c'est un des jeux pour lequel ce que je vais dire est le plus vrai. Il y a une strat pour le grind, un routing pour le grind et un routing pour les races, c'est-à-dire que les joueurs globalement vont jouer plus safe. Mais jouer plus safe, c'est pas juste être un petit peu plus vigilant au positionnement des ennemis ou tuer un peu plus d'ennemis, c'est aussi prendre beaucoup plus de shops. Il y a tout un tas de boutiques qui permettent d'acheter des cœurs, des vies, des ballons, des upgrades d'armes. Qui viennent s'ajouter du coup à l'arme qui est naturellement évolue au fil de l'histoire. Il y a aussi possibilité d'avoir une upgrade rendant notre personnage vraiment très très fort, et quand on le perd en général c'est le drame. C'est un jeu généreux en continu puisqu'on a une infinité de continu, mais on n'a qu'une seule vie pour commencer, donc on peut de toute façon en prenant le temps terminer le jeu. Le seul problème c'est que quand on perd l'argent accumulé, on perd aussi l'upgrade d'arme, et c'est un jeu où justement si on y va trop comme un gros bourrin, si on n'a plus, si on connaît pas bien le niveau, il faut repartir de zéro et ça peut être très dur, on perd plein de temps. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être un des jeux du Décathlon où les gens le jouent le plus différemment en grind dans Race. Enfin, je pense que c'est ouais, carrément. Vous allez voir, mais les routes là utilisées, va y avoir du safe et du moins safe, mais peut-être que ça va être un peu que le phénomène Ninja Gaiden où les gens sont partis sur un PB, une route de PB, et puis dès que ça va dévier un tout petit peu de leur plan, ils vont faire des backups, acheter des peluches, acheter autre chose. Ouais. Et on a Vin Kaiser qui est revenu, donc on va avoir bien 8 joueurs. Vin Kaiser est revenu, alors je sais pas si du coup s'il a peut-être crash, son ordi a crash, il a peut-être pas de temps sur Ninja Gaiden 2, c'est peut-être du coup Ninja Gaiden 2 qu'on va devoir lui faire refaire avec, normalement il devrait reprendre au temps et à l'endroit où il était, c'est ce que nous avions dit, donc on verra ça plus tard.
Donc No Runner, dernière chose, bon, de toute façon il n'y a pas de mode de difficulté, il n'y a qu'une seule difficulté, c'est la difficulté de base du jeu. C'est un jeu avec une structure de niveau assez particulière, il n'y a par exemple pas de boss à la fin du premier monde, il y a un boss à la fin du second, du troisième, du quatrième et du cinquième. Voilà, petite particularité. C'est parti. Nice. Il y aura beaucoup de sang en diagonale aussi, hein, Twin, comme tu le disais. Donc ouais, beaucoup de diagonale parce que les vitesses horizontales et verticales s'additionnent et donc on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Et quand on est en l'air, on est souvent invulnérable. Et ça y est, ça commence mal. C'est pas grave, on oublie ça complètement. Tifa, il a farmé, carrément. Il est en mode, il farme une vie, limite, quoi. Ouais, mais il a dit qu'il achèterait une vie, je crois. Ouais, c'est ça. D'accord, il le fait. Il l'a dit, il le fait. Donc pour l'instant, Vinkazer, Naruto Seb avec le farm. Ici, on farme pas quand on est en PB attempt, mais va y avoir une vraie économie. Il faut savoir que chaque ennemi drop 20 crédits, 20 CB, je sais pas exactement ce que c'est, et les objets coûtent en général entre 100 et 150, donc il faut arriver souvent au shop avec 100 avec 5 drops d'argent. Et c'est Naruto Seb qui tombe et qui crame son premier ballon. Oh, Vinkazer, exactement chiant, la même erreur. Donc pour l'instant, Vinkazer, Naruto Seb font les mêmes runs. Devultifa a acheté une première peluche et Cladol n'a pas encore utilisé son ballon. Mais Vinkazer ne va pas. Okay. Qu'a-t-il fait ? Grosse erreur de Vinkazer. Elle a carrément pas pris la chance. Il a pas pris le shop, il est allé à fond et il s'est fait tuer par les araignées. C'est pas grave, c'est pas très punitif. Le problème, c'est que maintenant. Le 1-2, c'est carrément un reset, hein. C'est mieux. Ah, c'est pas évident parce qu'il récupère son ballon et il avait rien acheté au shop, hein, donc il y a pas grand chose à faire. Il est juste un petit peu derrière en termes d'argent. Ah oui, carrément. Enfin, après, je crois qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais après, c'est bien sûr discutable, mais c'est juste que sécuriser en achetant un petit ballon supplémentaire au premier niveau, mais il a. Et est-ce que là, il non, farme... mais là, il re-achète pas non plus. Je comprends pas, il aurait pu farmer énormément d'argent en tuant le rat et en utilisant l'invulnérabilité, mais non. Donc, Tifa finit le niveau. Cladol et Naruto Seb sont dans le niveau 2, donc la petite phase dans le film où Gizmo est dans des conduits d'aération et voit les autres Mogwai se transformer. Donc là, ça joue safe. Hein. Ça fait le petit détour de la shop du 2-1 qu'on prend pas tout le temps. Niveau... Alors, le 2, c'est un pic de difficulté. Hein. C'est l'endroit où on reset le plus, quasiment. C'est-à-dire le 2-1 et le 2-2. Le 2-1 parce qu'on prend des dégâts, le 2-2 parce qu'on meurt. Ah, le 2-2 est horrible, vous allez voir ça tout de suite. Donc ici, évidemment, on farm. Hein. C'est le seul endroit, même dans le record, où on farm. Hein. Évidemment, là où est Naruto Seb. Pour l'instant, Clado le premier. Il finit le 2-1 avec 2 cœurs et demi, c'est pas mal. Vinkazer, j'espère qu'il va pouvoir remonter la pente. Devultifa fait une run excessivement safe. Oui, bah il sait qu'il est qualifié. Le seul truc qui peut l'éliminer maintenant, Tifa, je pense, c'est un game over et une complétion. Ça devrait être bien, mais c'est vrai que c'est surprenant quand même parce qu'il a beaucoup joué pour les étoiles d'or en fait jusque-là dans le décathlon. Ouais, mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a fait un tournoi entre guillemets en demi-teinte. Il est premier, mais il est un petit peu en dessous de ce qu'il peut faire. Je pense qu'il peut plus faire son objectif de 1950. Et donc, du coup, comme il peut pas faire un record, il s'en fout. Maintenant, il va assurer un petit 1920. Je le vois comme ça. Ouais, je comprends tout à fait. Et puis, il a fait une telle contre-performance hier sur son entraînement Gremlins. Je pense qu'il y a un petit traumatisme du speedrun. Attention, Vinkazer, qui commence le 2-2 avec un seul cœur. Il joue très agressif. Je pense que de toute façon, il donne un peu le tout pour le tout pour remonter et déplacer Cladol. Mais ça va être compliqué parce que Cladol, pour l'instant, est premier égalité avec Naruto Seb sur cette race. Ah, Naruto Seb le dépasse avec une toute petite plateforme, un platforming un tout petit peu meilleur. Ah, c'est vrai qu'il y a des bonnes diagonales, il y a certains passages, faut bien connaître. Naruto Seb et Cladol sont très bien. Alors, premier boss qui arrive donc à la fin de ce second monde, il y a un safe spot. Ça se fait bien, si on le rate, et bah, la backup, c'est on va combattre le boss normalement, c'est un boss assez simple. Mais là, surtout avec 3 cœurs, on peut pas mourir a priori. Si on rate, même si on devait rater le safe spot, on pourrait bourrer et le terminer en évitant assez simplement. Ouais, c'est très bien fait, Naruto Seb, Cladol, le même boss. Devultifa qui a cramé un ballon, qui a plus qu'un cœur. Bon, rappelons qu'il a quand même acheté énormément de choses jusque-là, donc il est tranquille. Mais voilà, un Tifa moins agressif que Naruto Seb et Cladol, et pour l'instant ça paye pour les joueurs qui sont au niveau 3-1. Pour Tifa, ce qui pourrait être pas mal surtout, c'est de pas utiliser son. De pas perdre son demi-cœur. S'il réussit pas le safe spot, il perdrait sa vie. Alors qu'il l'économiserait, puisque au début de chaque monde, on nous remet nos cœurs. Donc là tout va jouer pour ouais, lui. Non mais voilà, pas. Là c'est fait, c'est réussi, aucune inquiétude. Vinkazer, la même chose. Le safe spot est très large, donc c'est vrai que les joueurs le ratent rarement. Oh, Cladol qui tombe. Et bah, le ballon a priori, ouais, il l'avait pas utilisé. C'est pas grave,
c'était le seul à qui restait le ballon du début. Et bah, le voilà. Donc Naruto Seb le dépasse, parce qu'utiliser un ballon, ça prend du temps, hein, le temps que de tomber, de revenir, de déclencher le ballon. C'est pour ça que c'est pas une arme à utiliser à fond dans les speedruns. Bah, c'est vrai que dans le record du monde, il y en a un où c'est vraiment un endroit qui est relou, et dans le tas, il n'y en a pas. Ouais, dans le tas, il n'y en a pas, ça perd trop de temps. Allez, le petit passage sur le côté, et on arrive au 3-2. Vraiment, le niveau 3 est assez dur, mais la difficulté ne fait que décroître après le 2-2, j'ai la sensation en speedrun. Le 4, mais c'est l'arme cheatée qu'on a aussi, ouais, parce que ce qui se passe, c'est que la difficulté en partie est basée sur un nombre d'ennemis assez conséquent après, mais l'arme qu'on a est tellement cheatée quand elle est upgradée que ça va. Il y a encore quelques difficultés, il y a il y a des petits passages, mais c'est des petits passages, quoi. Et Naruto qui prend le shop pour acheter un cœur, mais qui va avoir 4 cœurs à partir de maintenant. Et Cladol, c'est un peu difficile, il va peut-être devoir faire un arrêt au shop aussi. Il prend les dégâts, Naruto Seb, évidemment, il a pris les cœurs, c'est pour prendre son petit dégât, pour faire prendre le raccourci. Cladol peluche. Tifa arrive au 3-2, Vingazer devant Tifa. Tifa, pour l'instant, est quatrième, c'est la première fois du tournoi qu'on le voit dernier des streamés. Ouais, mais je pense que ça va payer, ce qui peut encore terminer dans les premiers, parce que justement, il joue très safe. Mm-hmm. Donc, il terminera peut-être pas premier, mais il peut être bien placé. Hein. Ça va nous montrer... Alors là, c'est moche. Là, carrément, wow, énorme perte de temps pour Tifa. C'est grosse erreur, c'est très bizarre. C'est la fin, c'est la crise d'hypoglycémie, peut-être. Naruto Seb qui arrive au niveau 4 pendant Cladol. Oh, le double KO pour Cladol. Ah, c'est bon, il avait une peluche. Il a acheté une peluche juste là, qu'il a utilisée. Je sais pas, il en a peut-être deux, mais je suis pas convaincu. Naruto Seb qui crame un ballon au tout début du 4-1, c'est dommage. Et les dégâts pour Tifa. Ah, hein, et il passe pas au shop, Naruto Seb, d'accord. Bah, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, cette boutique. Il y a des boutiques qui sont... Escalator, tapis roulant, plateforme unique. Attention, le petit coin. Faut pas se cogner le doigt de pied dans le coin quand on fait le saut courbé comme ça. Dans beaucoup de jeunesse, c'est impitoyable souvent les collisions. C'est du genre, c'est très binaire. C'est genre, peut-être un pixel, tu vas se battre. Il n'y a pas le curve boost de Deadcore. Hein. C'est vraiment Etifa qui retombe ici, qui perd un cœur complet. C'est bizarre pour un Tifa. Tifa pas en forme. Vinkaiser qui est. Oh, qui va doucement, non? Tout va bien pour Vinkaiser. 4. Oh mais non, c'est un cœur gratuit ça. Et il avait son ballon qu'il avait économisé. Ouais, petit ballon, voilà, c'était son ballon. Il a fait un game over. Quand on fait un game over, on revient avec un ballon. Naruto Seb, il va aller dans une boutique ici qui est assez sympa. Il achète un ballon parce qu'il y a un cut très intéressant qui va vraiment simplifier beaucoup la fin du jeu. Attention, là, faut pas se faire pousser dans le trou parce qu'on veut économiser son ballon jusqu'à ce trou-ci. Voilà, il va se jeter dans le trou. C'est bien fait, Naruto Seb, il est vraiment très très bien. Naruto Seb, il veut vraiment se qualifier, ça se sent. Hein. Il est en bonne posture quand même, il joue très très bien et je pense que ça fait partie de ces joueurs qui sont motivés par le stress et par le. Qui sont boostés par l'enjeu. Il y a des gens que ça empêche un petit peu à regarder cette technique. Non, Naruto Seb, on meurt pas. Waouh, c'était tendu. Je sais pas s'il reste une vie par contre. Je crois pas, hein. Je parierais pas dessus en tout cas. Et les vies sont pas affichées en HUD, c'est relou. Y a pas de HUD, c'est très original d'ailleurs pour un jeu NES. Ce qui est très agréable parce qu'on vient d'un Ninja Gaiden où ils ont magnifié le HUD en le faisant clignoter de toutes les couleurs. C'est très imposant. Il y a même les points et tout, il y a tout. T'as même la barre du boss avant même qu'il apparaisse. Bah, c'est vraiment le même HUD que Castlevania en fait. Oui, c'est rigolo. Et là, non, c'est Sunsoft, ils font vraiment des très beaux jeunesses. On se sait, très propre, hein, ils jouent... Ouais, il faut dire ça pour qu'ils se prennent un petit, mais on arrive à la fin du niveau 5 déjà. Non, ils jouent agressif. Hein. Alors que Tifa est au boss, hein, Tifa est au boss, tranquille, Cladol est encore au niveau, lui. Et Vinkaiser... Début du 5-1 pour Cladol, ouais. Ah, Naruto Seb évite le shop de la fin, d'accord. Donc il doit sans doute lui rester une vie. Il irait pas au boss de fin sans une... Il a acheté une vie, là, il a pas acheté un ballon ici, par exemple. Non, là, il a skippé, en fait. Le ballon fait un peu perdre du temps comparé à ne pas y aller. Oh, c'est super beau de la part de Naruto Seb. On a passé les 9 minutes, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Ouais, là, on va avoir quasiment 3 joueurs qui vont terminer, après cette épreuve, qui vont être... au-delà... Ou Cladol. Cladol, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est pas grave. C'est fini pour Naruto Seb, du coup, qui signe une super prestation. 9-23, là, 196 points pour Naruto Seb. Les gens se demandent c'est où est Bro, mais ne vous inquiétez pas.
Brothermain va perdre, prendre un peu de retard sur Gremlins. Parce que vu la variance sur ce jeu, en race, les gens faisaient en moyenne 175 points. Ouais, dans les décathlons. C'est, ouais, c'est ça, et là c'est vraiment une grosse performance. Zigouigou qui finit deuxième avec 9,41. Zigouigou qui avait pas fait d'énormes performances. Allez, on va se mettre les backups. Obro, c'est la catastrophe pour Brothermain. Il est au 4-2, il a toujours pas tué le boss à la Gatling. Oh, c'est compliqué, il a pas... Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été sans doute très violent. Ceci dit, est à la fin. Ceci dit, ça va encore. C'est pas horrible, il faudrait pas mourir là quand même, bro, attention. C'est pas horrible s'il lui reste une vie. Sinon, ça peut être compliqué. Voilà, parce qu'on boss... a vu des gens se faire mourir en boucle à ce dernier niveau. Donc c'est ça qui est assez compliqué, il faut vraiment être vigilant. Rien n'est gagné, faut assurer les points. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. Et là, bro, il a peur. Et c'est normal. Moi aussi, j'ai peur pour lui. Attention, bro. Voilà, c'est fait. Il faut pas se prendre les pics là. Voilà, tout va bien. Je peux toujours pas dire s'il a pas de vie parce qu'il aurait une vie. Il aurait quand même essayé de la conserver pour le 5-1. Mm-hmm. Donc, c'est difficile à dire. On passe la barre des 180 points. C'est pas grave. Il faut bourrer au niveau 5. Il est pas hyper dur. Il est pas hyper long. On a LF encore. Oh, LF, que s'est-il passé? C'est pas grave, il y a un petit shop juste après, ça va être tranquille. Donc on a, pour le récap, Naruto Seb arrivé premier, Zigwigwi deuxième, Clado le troisième, Tifa quatrième, Kulchado cinquième, Vinkaiser sixième. Il reste Bro et LF. Bro, attention, mais il a plein de cœur quand même, donc il est tranquille. Il a peut-être juste joué doucement. Hein. Ouais, mais il est bien quand même, hein, comparé sur les derniers décathlons... Non, c'est mauvais pas ça. Faire ça. Sur les derniers décathlons d'entraînement, ils avaient fait beaucoup de contre-pairs sur ce jeu, et là, visiblement, c'est pas le cas aujourd'hui. Je trouve que le niveau est vraiment élevé. Ça joue... ça va être très très tendu. Putain, mais je pense à ce demain. Ils ont mis, pour l'instant, la barre tellement haut. Ouais, bah il a raison. Hein. Ça veut dire qu'il lui reste pas de vie, sinon il aurait pris le ballon. C'est ouais, sans doute. Mais ça veut dire que ouais, il a eu le stress à un moment, mais ça se passe bien. Il va faire 165 points, un peu plus. Il va se faire re-rattraper par Naruto Seb, mais ça reste des très très beaux runs. LF qui a fait une vraie grosse performance, qui va arriver juste au boss. Faudrait pas mourir là, j'espère qu'il lui reste une peluche, LF. Non, LF, comment c'est possible? Il est arrivé, il lui avait de la vie. Oui, bro, pareil, hein. Mais bro, il a une peluche, ça on le sait. Ah, c'est bro. Triste, voilà, hein, c'est pour LF. Bro. On va pouvoir se mettre c'est LF. C'est chiant de refaire le 5-1. Ça, par contre, c'est horrible. C'est vraiment super nul. On a vu des gens mourir en boucle au 5-1. Ouais, parce que c'est dur et surtout, il y a une espèce de perte de motivation et d'énergie. C'est un peu comme mourir à la clé dans les cavernes de glace, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave. LF, ils ont de l'énergie et ils sont forts. C'est runner du décathlon. Moi, je pense qu'à la shop, il va prendre une vie. Sauf s'il se fait pas toucher. Mais... S'il se fait pas toucher, il prend une vie. Il prend l'upgrade parce qu'il aura le droit qu'à une seule shop. C'est pas trop grave de pas avoir l'upgrade, même si c'est un peu relou. Ça va être compliqué comme choix. Il va essayer de jouer très safe pour pas se faire toucher pour pouvoir prendre l'upgrade. Mais s'il se fait toucher, je pense qu'il va reprendre une vie. Enfin, je sais pas si tu partages le diagnostic, mais. Ouais, je ferais ça. La question, c'est est-ce qu'il va lui. Il regarde ça, son argent, 180, il est bien. Il a un ballon par contre. Bah oui, il a un ballon. Donc... Ah oui, mais il a un ballon, j'avais pas pensé. Donc ça change le diagnostic. Je ferais quoi que je fasse sur lui, je prendrais la vie en fait. Parce que l'arme upgradée, elle rajoute qu'une seule explosion, donc ça rajoute qu'un hit au boss à chaque fois. Donc il est pas. Belle remontée là, je pense. La vie a priori. Ouais, ouais la c'est vie. Ça. Sécurité. Il va se jeter dans le vide avec son ballon. Quasiment plus, c'est quasiment fini, c'est une formalité quasiment maintenant. Oh non, le ça, hit gratuit quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, faut y aller, voilà, c'est très bien, c'est bien, le ballon c'est cool. Peut-être qu'il avait oublié qu'il avait un ballon. Ouais, je sais pas. Le ballon en plus ça donne des frames d'invulnérabilité quand on se repose, c'est trop cool. Ouais, c'est clair. C'est à la limite de l'abus même, mais bon. Hein. Mais heureusement qu'il y a ça. Allez, normalement pas de soucis. Ah, oui, il dit jamais je prends la vie, je prends le P. Ok, et bah comme quoi les diagnostics peuvent varier, mais c'est vrai que là, LF. Ah, et regardez, quand il tire bien au centre, là. Ouais, bah c'est aussi rapide vaporiser. Quasiment. Moi et je trouve oui, que la différence est pas sensible. Le P augmente qu'un seul, passe de 4, une explosion de 4 boules de feu à 5. Donc. Et en tout cas. Qui dit quel jeu de merde. Quel jeu de merde, ouais. Je suis relativement d'accord avec lui. Et c'est ma manière de dire bonjour. C'est même Dorian, si, par ailleurs, je trouve que le jeu est bon, même si moi je ne l'aime pas.
Oui, non, c'est vrai, c'est un jeu qui a des qualités. Et je comprends qu'un certain nombre de runners lui trouvent des défauts, notamment les gens qui aiment bien les jeux très déterministes, parce que la RNG peut stresser. Donc, ouais. quoi qu'il y a en soit. Des gens qui notent la chute de Bro dans le classement. Mais Bro qui est au-dessus des. Ouais, on va remonter le classement. Oh, parce c'est que... ouf le classement! Le classement mais c'est fou, quoi hein. ces perles de taré? Mais là, je suis assez content parce qu'en bas, on avait un débat avec Relmiop qui me disait: mais non, mais Bro, il a 15 points d'avance sur Naruto, aucune chance que Naruto passe devant. Je lui ai dit: moi, sur Gremlins 2 et Spelunky, j'aurais pas mis ma main à couper que Bro resterait devant. Et ça se confirme là, mais après. Non. Tout peut changer sur Spelunky. Il y a des choses qui peuvent beaucoup changer sur Spelunky. Les gens, j'ai besoin, c'est un truc de fou. C'est assez fou. On avait donc du coup pour la barre des 1865 points qu'on avait fixé à l'issue de 10 jeux, ça fait qu'à l'issue normalement de Gremlins 2, les gens sont censés avoir 1690. Je sais pas si vous imaginez. Même Bro est 26 points au-dessus de ça, alors qu'il n'est que 4ème. 16 points au-dessus, ouais, et c'est vrai, mais on avait mis 100. 16, oui. On a eu 175 points pour Spelunky, je sais pas combien de temps ça représente. C'était une tranche 25-30, je crois. J'avais compté un 25-30, il me semble. Je vais vous redire ça exactement. Quelque chose comme c'est ça. Le temps de Cute Shadow qui fait. Ouais, c'est 30 minutes. D'accord, ouais. 175 points, 30 minutes. Donc c'est faisable. Tous ces joueurs-là sont en route pour faire plus de 1880. Plus de 1800, ouais, c'est ça, 1800. Je me suis même pas cru en me disant moi-même. Et ça va foutre une pression infernale aux gens de demain. Même Naruto Seb est parti pour faire un 1900, parce que sur une route, mm-hmm. une route to 1900, à l'issue de Gremlins, il devait avoir dans les 1720. Je vois Devil Tifa dans le chat qui dit Naruto me fait peur là. Bah ouais, je comprends, bah ouais. Hein, parce qu'il est que à 25 points, et 25 points sur Spelunky, ça se perd vite, c'est 10 minutes. Ouais. Hein, et 10 minutes d'écart, ça se fait hyper vite. Oh. Naruto qui sort un 25 minutes, Tifa qui sort un 35 minutes, et Naruto passe devant. Dans des deux cas, il serait en bonne posture pour gagner, mais là, ça va être complètement hallucinant. Je pense que là, en tenant largement le temps, on va. Quand on voit les PB sur Spelunky, ça donne quoi? Bah, alors, en fait... je peux te faire ça exactement, mais ensuite il faut ouais. c'est RNG hein, mais Devil Tifa premier 194, Nautosiem deuxième 192, Brothermain troisième 186 points, Vinkaiser égalité 186 points, Cladol 184, LF 183, Cute Shadow 175 et Zigwigwi 165. Mmh. Donc en gros, c'est tous ces mecs là savent faire un 30-35 minutes. Facile. Donc ça va quasiment se jouer à la distribution des niveaux et ou les morts qui peuvent les morts c'est les morts désastreuses les morts qui peuvent arriver. Les morts accidentelles au shotgun vont coûter extrêmement cher et les morts accidentelles à la clé dans les cavernes de glace. Ils sont à ce niveau-là, ils se distinguent que par ça quoi. Ouais, c'est ahurissant Naruto Seb, c'est vrai qu'il était dans beaucoup de pronostics. Moi je l'avais mis dans mon carré en fait dans mes je l'avais pas mis, je regrette. Moi je l'avais mis même si du coup je dis à tout le monde de mettez votre carté sur Nesblog, moi je l'ai même pas fait. J'ai pas eu le temps, c'est pas bien, mais j'avais mis Naruto Seb en tout cas Naruto Seb dedans. Naruto et Seb qui avait eu que 3 suffrages hein, sur 28 personnes qui s'étaient exprimées sur l'article Nesblog. Mais c'est le pseudo, qui est pas vendeur aussi. Hein. Oui, mais ça on juge pas les gens au nom, on juge les gens aux performances, aux résultats. Les gens qui votent, je dis pas, je sais pas. Hein. ils ont étudié les fiches. C'est clair, ils ont une bâche chiffrée, en plus quelqu'un d'adorable, effectivement. Très gros runner de Mario Kart en plus. Bah, c'est comme ça qu'on l'a rencontré, il nous coachait lors de l'UD1. Mm-hmm. Puis après, finalement, il s'est dit pourquoi pas essayer et il s'en tire bien. C'est une des personnalités aussi que les gens auront retenu. Quoi qu'il se passe pour lui, pour cette finale, je pense qu'il s'est illustré aussi bien au championnat qu'au tournoi. Je pense qu'on va regarder le petit clip de Spelunky. Il y a une petite pause. Non, c'est vrai qu'il y a une petite pause. Donc, ce qu'on va faire, par contre, on va interroger quelques. Moi, je foutrais bien la pression à Devil Tifa d'abord et ensuite on interview 2-3 autres runners. Bah c'est ça, ouais. Je pense que les 4 premiers là, on peut leur qui voir un petit peu à l'issue de ce que ça a été un bouleversement ce Gremlins. Mais on peut faire 2 avant, 2 après si tu veux. Oui, on fait ça. Donc on fait Tifa Naruto Sab. Carrément, avant la pause. Je vais aller les chercher. Et on prendra Cute Shadow Brothermain ensuite après la pause. Ensuite, il y aura donc du coup une petite pause de 5 minutes et ensuite avec Dorian et Twin, on va commenter Spelunky, on fera une petite interview quand même de Cute Shadow et Bro avant. C'est hallucinant. Là, en gros, ce qu'on avait dit, je rappelle, hein, on avait dit
On avait dit ouais 1690 à l'issue de Gremlins 2 et le 1720 c'était la qualif entre guillemets assurée, c'est-à-dire une perf de ouf. C'est proprement hallucinant. Et ça y est, Tifa et Naruto Seb sont là. Alors comment est-ce que vous vous sentez à l'issue de ce Gremlins qui a été fou? Un peu rassuré. Attends, alors Tifa d'abord, alors du coup. Vas-y. Un peu rassuré. Vu les performances que j'avais fait il y a pas longtemps, bah du coup j'ai fait une autre route qui m'a aidé à pas faire une grosse contre-perf. Mais voilà. Comme quoi, en prenant plein de boutiques, y compris une vie au niveau 1, on peut faire 10 minutes 8. C'est-à-dire qu'en gros, le sub 10 est faisable en jouant genre pépère quand on a ton niveau. Donc c'est vrai que jouer cette sécurité, pour se qualifier, en tout cas, ça marche. Par contre, il est pas sûr que le jour de l'ultime finale, si tu devais te qualifier, ça suffise pour avoir le titre. C'est non, ça. Je pense que l'ultime finale, si jamais j'arrive à me qualifier, je reprendrai mon ancienne route. Ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Alors la grosse surprise, par contre, enfin surprise avec des guillemets, c'est Naruto Seb. Naruto Seb, là, qui maintenant prend la deuxième place, il est devant Kuchado, devant Bro, t'es à 1725, c'est proprement hallucinant. T'es parti pour faire 1900 en Naruto Seb. Bah j'espère, il faut un sub 30 sur Spelunky. Tu penses que c'est faisable? J'ai déjà fait cette semaine 2-3 fois ça. Après, tout dépend. Mais c'est vrai que 1900 points au début du décathlon ou quoi, j'espérais même pas faire ça. Et là, surtout, je peux le faire. Alors... Surtout en race, surtout en décathlon, c'est pas la somme des PB. Parce que ton PB, il est à combien déjà? T'es dans les 1930? 1938, je crois. Ah ouais, c'est vachement proche de ton PB. Bah, les 12 points sur Doom, ça fait du bien en fait. Ah bah Naruto oui. Seb, 1943, mais c'est sans compter ton nouveau PB Doom. Ouais. D'accord. Ouais, est-ce que c'est ça? Parce qu'avant Metroid, t'étais en queue de peloton, et là maintenant c'est une remontée fulgurante. Hein. Ah bah franchement, Gremlin, je savais que avec la route que j'ai, je savais que je pouvais faire sub 10 assez facilement. En plus j'ai fait quelques erreurs, j'ai perdu mon ballon au 4-1 assez bêtement, du coup j'aurais pu même presque sub 9. Ouais. Après ça reste un temps assez ouf hein, avec la RNG et tout du jeu. Alors, donc je suis assez content et en plus là je vois que bon, Spelunky, ça veut pas dire grand chose, mais voilà, je suis pas si loin de Tifa, donc je suis vraiment content de mon tournoi en tout cas. Alors, une question à la pause, moi qui me titille, donc du coup, vous deux, Tifa, Naruto, par rapport au score que vous. Supposons que vous fassiez un 30, même un 35 minutes honorable, hein, même avec un sub 40, vous auriez toujours un nombre de points intéressants. Qu'est-ce que vous pensez de Kuchado et Bro qui ont respectivement 1708 et 1706? Et globalement, de vos 4 scores par rapport aux éventuels runners de demain. Vas-y, tu vas. Kuchado et Brother Main, là, ils ont. Même Naruto, ils ont tous les 3 fait de très bonnes perfs aujourd'hui. Je pensais être un petit peu plus éloigné que. À ce stade, et en fait, ils sont vraiment juste derrière moi. Bah c'est vrai que d'habitude, Twin pourra confirmer, il y a toujours une marche Tifa de 60-80 points. Là, elle est serrée. 10 points par jeu, la marche Tifa en général. Ouais, et là, techniquement, Naruto Seb peut être premier. Ça pourrait être vraiment très beau. Non, c'est fou. Et les gens dans le chat commencent à mettre la pression en disant « Mais en fait, peut-être qu'il n'y aura personne de qualifié à cette finale et qu'il n'y aura que des gens demain. » Ils vont faire encore mieux. Bah, je pense, moi, vu ce qui se passe avec un Spelunky normal, je pense pas que ce soit faisable. Enfin, ça me paraît très surprenant parce que pour l'instant, mais ce serait ahurissant. Déjà, c'est ahurissant, alors ce serait, mais. Fou! Personnellement, quand on a dit qu'il fallait se qualifier avec 1850 points, là, je remettrais genre 30-40 points en plus parce que c'est tellement fou. Aujourd'hui, en tout cas. Moi, j'aimerais pas être le dimanche, en tout cas. Clairement. Allez, c'est dit. Ah non, très clairement. De mon point de vue, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était tellement énorme que je peux pas refaire ça. C'est impossible. Et j'aimerais pas vraiment pas être le dimanche. Voilà. C'est dit. Bah, en tout cas, bonne chance tous les deux pour Spelunky parce que ça va être très très intense. Vous avez la pause de 5 minutes pour vous remettre le jeu dans les doigts. Merci. On va en avoir besoin. Je pense que ça a une grande utilité. Je pense que c'est moins utile sur Spelunky que sur d'autres jeux de se remettre toujours, dans les doigts. C'est utile pour pas mourir dans le tuto par exemple. Oui. Tu vois, tu te refais un petit tuto, t'es tranquille, tu te rappelles du truc. Les morts au tuto, c'est rare. Non, mais quand tu même. Sais pas lancer une bombe avec le bouton de corde parce que tu réfléchis au truc. Ouais. Non, c'est se remettre les boutons en main et la physique. Ouais. C'est ça.
ça. Faire un petit saut, tu sais. Bonne chance à vous deux, et vous pouvez prévenir après la pause pub qu'on interrogera Cool Shadow et Bro. D'accord. Voilà, et ben bonne chance à vous. Et bon appétit. Merci. Bon appétit aussi. A tout de suite. Donc là, on va se faire la pause en question, et après la pause, ce sera Spelunky, l'épreuve tant attendue qui clôturera ce samedi. On fera ensuite un point avec les runners. C'est rude de finir sur Spelunky quand même. Ouais. De toute façon, Spelunky, quel que soit le moment, oui, c'est rude. Donc, souvent dans les décathlons d'entraînement, c'est ça qui a décidé du sort des runners. Et vous allez avoir ça juste après la pub. Tout de suite.